Bonsoir, bonsoir. J'entends tellement vite qu'il n'est pas encore chargé à fond. Bonsoir tout le monde. Donc, on lance une petite session à 1h32 du matin, c'est parti. Sur du FTB Beyond, toujours. Et on va reprendre où on s'est arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais commencé Resonant Rise en faisant les premiers cristaux. Surtout ne gueule pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pour les voisins, c'est ça? Non, c'est bon. Si c'est pour les voisins, c'est ok. Et donc, on va peut-être. Enfin, je dirais bien commencer. Enfin, continuer Resonant Rise, mais en fait, juste pour faire des filtres. Parce que là, le but, ça serait un peu de. Non, j'ai fait une bombe nucléaire, bien sûr. Je sais même pas encore les produire. Je suis pas inquiet. Tu n'as pas lu mon SMS. J'ai posé mon téléphone depuis que je suis rentré.
Mais c'est quoi la connerie que tu es en train de me dire? J'ai voulu faire Internica mais je suis trompé dans un truc car la base de base n'ont pas trop supporté. Ainsi que la moitié de la map. Non, je te crois pas. Je dis pas que t'es pas capable de faire un réacteur nucléaire, je dis que c'est un peu trop tôt. C'est bien essayé, hein. Tu m'aurais dit ça dans une semaine. Je t'aurais cru, j'aurais d'ailleurs sûrement gueulé. Mais là, je te crois pas. C'est vraiment très particulier de faire du Industrial Craft. C'est le seul réacteur dangereux que tu pourrais faire à ce niveau-là. Donc j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai déjà du mal à alimenter mon truc pour recharger mon jetpack. Est-ce que tu veux que je te donne certains tips pour pouvoir faire ça? Le premier auquel je pense, c'est que tu dois avoir plein de redstone chez toi. Et il y a un moteur qui fonctionne avec de la redstone et qui donne pas mal d'énergie. Donc ça peut déjà être une idée. Je vais couper ça pour que maintenant le minerai qu'il fait ne soit pas utilisé à ça. Ah bah ça va. Ah c'est tous des cristaux. Oh bah ça va là, j'ai largement assez de cristaux pour faire ce que je voulais. Attends, je fais caca. Très bien. Je te remercie pour ta poésie. Elle est si douce. Tiens, on va foutre ça là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu me fais des surprises comme ça, c'est ça? Attends, je fais caca, je suis pas devant le PC, mais derrière, d'accord. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je savais même pas que Tinker Construct proposait des rails en bois. Voyons ce que t'as fait. On va commencer l'épisode par voir ce que toi t'as fait. On a la smelter, que tu t'es gouré en paramétrant la face. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver ça. Ensuite là tu as un furnace générateur qui est un très bon choix. Avec un hopper dessus qui donne du charbon, c'est ça, qui est un très bon choix aussi. Donc c'est très correct. Et ici tu as un sac mille pour broyer. Donc c'est pas mal. Juste le problème c'est que tous tes machines n'ont pas d'endroit où poser des choses. Donc il faudrait au-dessus ou en dessous des items. Enfin des coffres. Non, on n'y va pas tout de suite. Ok, je sors. J'ai pas tout vu. Je vais me faire engueuler. Et mais en même temps, t'as fait une série de rails qui va jusqu'à chez moi, quoi. Mais moi, je veux un truc plus rapide. Ah ouais. Bah, tu me diras en quoi, si c'est pour les machines, un truc plus rapide, faut les upgrade en fait. Je te montrerai ça, c'est simple. Et donc, pour eux, en attendant, je vais faire ça. Donc le but, ça va être autour de ça, de mettre des filtres. C'est-à-dire que pour l'instant, la qualité est toujours à 100% parce que notre truc a réussi et que du coup, ça c'est plein de lave, c'est ça? 4 millions! D'accord, c'est plein de lave, ça c'est sûr. Pas de problème à ce niveau-là. Il n'a pas encore rencontré de glowstone liquide apparemment, donc ça l'a pas fait bugger. Lui, j'imagine que du coup, oui, voilà, il me fait plein d'obsidienne. Je pourrais l'upgrade pour qu'il aille plus vite, mais pour l'instant, aucun intérêt. Et donc, là, on a du liquide, on est d'accord? On en a 3 buckets. Mais il a 100 de qualité, donc ça c'est parfait, c'est par rapport à un setup de lave, ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Mais la pureté est à 0. La pureté à 0, c'est dangereux à utiliser. Donc maintenant, ce qu'on veut, ça serait changer la pureté. Pour changer la pureté, il faut utiliser des filtres. Et donc ces filtres sont ici, purifieurs. Les purifieurs purifient quand on les pose à côté d'un tank qui communique avec le tank, qui purifie. Ça ne supprime pas de liquide, ça fait juste purifier. Là, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les entourer. Déjà, il m'en faudrait 8. D'ailleurs, j'ai fait des filtres, ça tombe bien, on va les utiliser pour faire ça.
Sinon, c'est Iron, Redundancy Machine Frame. Je pense pas que des Redundancy Machine Frame, j'en ai assez. Là, j'en ai 0, comme ça, au moins, c'est fait. Donc, il m'en faut 8. Ah. Apprends à cliquer. Voilà. Et comme ça me fera 8 purifieurs. Voilà. Et ensuite, je prends les filtres qui traînent. Donc, dans le principe, on va montrer en quoi ça consiste. Donc, vous collez les purifieurs sur le côté où il me semble qu'en dessus ou au-dessous ça fonctionne sous certaines conditions. Mais vous les mettez comme ça. Là, on va les activer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interaction. Voilà. Pourquoi j'ai. Ah oui, j'ai encore le truc anti-nucléaire, anti-radiation. J'ai laissé mon jetpack ici. Shift-click, voilà. C'est bon, j'ai mon équipement. Sans Hoover d'ailleurs. Voilà, maintenant avec Hoover. Et donc là, ils vont chercher à purifier le liquide qui est ici. C'est-à-dire que par exemple, dans celui-là, on va mettre des filtres. Et on va voir l'effet qu'il a, c'est-à-dire que les filtres vont diminuer ici. Et voilà, donc là, il y a un filtre qui a diminué. Et en plus, il l'a éjecté, c'est-à-dire quand il éjecte, genre là, il s'en bat les couilles, hein, il l'éjecte. Voilà, là, on l'a vu partir. Ces filtres sont éjectés de la machine dans le premier bloc qui peut les supporter. Et voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il utilise donc ses filtres à chaque fois, toutes les genre 3-4 secondes, il utilise un filtre pour purifier une partie du liquide qui est ici. Et là on voit par exemple qu'il a 15-8. Forcément, vu qu'il y a 3, il y a 6 buckets dedans, parce qu'avant il y en avait 3, maintenant il y en a 6, ça purifie assez vite. Mais évidemment, s'il y avait 64 buckets, s'il était plein, il faudrait plus de temps pour le purifier. Et là, avant, on va déjà gérer les filtres qui sortent. Alors, une méthode pour gérer les filtres qui sortent. Un truc basique. On va faire un truc vraiment pour early game. Ça serait des hoppers, par exemple. Une bonne idée, ça. Ça, il nous faut des coffres. Hop, 34 coffres. Là j'ai deux hoppers, là j'en ai 4, il faudrait 2, 4, 6, 8. Il faudrait 8 avec le setup que je veux faire. J'ai une idée de ce que je veux faire. En fait, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des conteneurs assez basiques qui traînent par ici. Donc, par exemple, je vais faire ça. Je vais viser les hoppers à chaque fois pour que le hopper communique avec le suivant. Donc ils communiquent tous par là. Et lui, avec la clé à molette, je vais changer son angle pour qu'il communique pour l'instant ici. Pareil ici. Tac, 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 tac. Et donc, voilà, donc il dirait tous ici. Ensuite, ici, je pourrais y faire des coffres. Parce qu'on en a besoin à un moment. Ça, c'est des filtres utilisés, donc. Spent filter matériel. Et ils servent pour faire des choses. Par exemple, l'obsidienne et la glace qui servent à réduire les radiations. Donc on va en avoir besoin, il faut les garder. Et donc, pour les garder, il va nous falloir. Ah, moi j'en ai ici. Non, je peux utiliser l'item barrel. Après tout, les items barrel, ils peuvent contenir pas mal d'items. Donc je vais prendre deux items barrel. Parce que forcément, il n'y aura que des filtres dedans, donc c'est parfait. Et. Les upgrades, à savoir que les upgrades, on est d'accord que normalement c'est ça. Hein. Par exemple, pour le premier tiers, il faut faire ça. Voilà, un graphe des premiers tiers, ça suffira déjà pour l'instant. Donc, tac, tac, donc il va mettre les filtres dedans. Ah, je l'ai pas mis comme il faut. Faut que je le dirige plus en arrière. Là, tu peux être sûr que c'est ça qui l'a filtré. Hop, voilà. Donc, tac, que je recule bien pour se passer dans le bon sens. Là, je vais le lock. Je vais le lock aussi. Voilà, avec des filters. Et donc, il faut que je clique dessus avec les upgrades pour les upgrades. Donc maintenant, ils sont en iron et ça fait 16 000 filtres. C'est largement suffisant. Ensuite, ici, on va vouloir mettre des filtres dedans. Donc.
Voilà, et entre les deux, on va utiliser, encore une fois, pourquoi pas, un barrel. Celui-là contiendra que des filtres. Comme ça. Hop. Des filtres. On le lock. Donc lui, il contiendra que des filtres. Comme ça, je saurai combien de filtres il me reste en regardant le barrel. On va lui dire d'éjecter. Always. Éjecter. Always. Je suis sur le Discord. Moi aussi, normalement. Je me suis pas trompé. Tout à fait. Bonsoir. Ton micro est mute. Ok. Bon, moi, tu m'entendras plus rapidement que sur le live. C'est pratique pour les discussions. C'est ce que je faisais avec Wart. Donc, je lui demande d'éjecter, donc il faut qu'il insère. Pour aller plus vite, on peut le faire soit à la main, c'est-à-dire cliquer, mettre, insère. Ou alors simplement un coup de clé à molette sur cette partie-là. Tac. Clé à molette. Clé à molette. Hop, hop, hop et hop. Donc là, ils sont tous en insert, on va vérifier. Voilà, ils sont en insert. Et donc lui, on le met en always active, always active. C'est bon, c'est déjà fait. Donc il va éjecter tous les filtres qu'il a là. Nous, ce qu'on va faire, on va faire des filtres, évidemment. Tac. Ça me coûte pas mal de charbon et de gravier. Normalement, ça va, j'en ai quand même un nombre conséquent. Mais là, il va commencer à remplir les trucs autour de filtres. Il va commencer par le plus près, non? Parce que c'est comme ça que Marchand de Rio, quand il n'est pas en round robin, on pourrait mettre en. Voilà, en round robin, si on fait ça, il va chercher à les remplir au fur et à mesure. Donc là, il va commencer à remplir ici. Pour qu'ils soient à peu près tous équilibrés. On peut faire ça, mais je pense qu'on va s'en foutre. Parce que du coup, ça va les filtrer plus doucement qu'ils vont les mettre. Donc, les utiliser plus doucement qu'on va les mettre, donc on s'en fout. Et il fait pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que celui-là aussi doit être rempli. Enfin, il doit commencer à se remplir, mais d'ailleurs, il est plein. Donc là, ils vont tous marcher, et quand ils marchent, ils vont éjecter vers le bloc le plus près, c'est le hopper va tous les transmettre à celui-là, et les filters vont atterrir ici. Voilà. Ok, et donc la purité, la purity augmente de plus en plus, et elle va augmenter jusqu'à un seuil, au-delà duquel les filters ne servent plus à rien, c'est-à-dire qu'arrivé à ce stade-là, les filters sont inutiles. Pour purifier plus, il faut utiliser des astuces, des objets, des conneries comme ça. Mais arrivé à normalement à peu près 85, il arrêtera complètement de fonctionner le système. C'est-à-dire que les purifiers arrêteront d'utiliser des filtres pour améliorer le filtrage. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, je vais avoir la meilleure qualité et la meilleure pureté pour mes trucs. Ça mettra d'avoir des cristaux meilleurs. Et surtout, étant donné que j'en mets 8, comme ça en ligne. Ça fait 8 fois plus vite que si j'en avais mis un seul, ce qui est logique, pour purifier. Donc comme ça, à chaque fois que je tirais du liquide et j'en produirais des grosses quantités, des gros tanks, parce que là pour l'instant il y en a 14, enfin, il y a quand même 14 buckets, c'est pas mal, ça le refroidira plus vite. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour? Ah ouais, t'as un truc dans chaque main, toi, t'as une pioche et... Tu rigoles zéro, toi. Ah, tu veux montrer ta rangée, toi, c'est ça? Je suppose. Montre-nous ta progression. C'est chiant avec le jetpack. Je vais désactiver, ça ira plus vite. Bonjour. J'ai vu que tu as fait la même pile que chez moi. Je veux plus d'énergie. Si tu veux plus d'énergie, je te propose à la place du furnace générateur qui est ici de mettre un autre moteur, enfin de mettre une pile et au-dessus on va mettre un moteur qui fournit plus d'énergie. Celui-là, il produit normalement 40 RF partic. On va te mettre des moteurs qui en font beaucoup plus. Et pourquoi pas, si tu veux, à la place d'utiliser du coal, du charbon, on va utiliser de la redstone. Je suppose que tu dois avoir plein de redstone, plus que du charbon, a priori, si tu la jettes pas. N'est-ce pas? Tu ne jettes pas la redstone. Non, c'est parfait. Donc du coup, je sais pas où tu l'as foutu vu que je la vois pas là, la redstone, mais tu dois en avoir un paquet. Donc pour ça, on va utiliser un moteur non thermal. Qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est? Des machines blocs, soldureur. Pourquoi t'as ces trucs-là? J'ai craft ça tout à l'heure. Ah oui, t'as dû faire une erreur dans ce que le soldureur. C'est pour faire le truc que j'ai, mais. Ah, tu voulais faire pareil que moi? Ouais, mais. Un soldureur, je t'expliquerai, mais c'est faisable, mais il faut l'utiliser avec un autre truc. Et il faut avoir plein d'énergie. Pour l'instant, niveau énergie, t'es encore un petit peu faible. Mais voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. Clairement, la première à laquelle je pense. Et du coup, ça m'a transformé la redstone. Très bien. Hop. C'est quand tu tapes arrobase therm, therm, comme thermal, tu as des trucs qui ressemblent à la petite dynamo, qui s'appelle Steam Dynamo d'ailleurs. Une Steam Dynamo, et t'en as une, c'est l'énervation dynamo. Ça génère de l'énergie, du redstone flux. Donc c'est l'équivalent d'un générateur, sauf que celle-ci, l'énervation, elle marche avec différentes choses, y compris. La redstone. Donc il faut de l'électrum pour ça, c'est faisable. L'électrum, c'est un mélange de silver et d'iron. Est-ce que tu veux le faire complètement toi? Ou est-ce que tu veux viser des compos? Ouais. D'accord, donc il te faut du gold et du silver. Tu sais que tu as un bouton pour ranger les coffres, hein. Pour ranger les coffres, en fait, tu as en haut, sur le côté droit, t'as un truc qui ressemble à un petit Z, en dessous la faux là. Quand tu cliques dessus, ça range les coffres. Donc ici, il faudrait que tu mélanges. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle met de l'iron là-dedans? Pourquoi tu fais ça? 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 Bref. Il faudrait que tu mélanges. Si, il faudra sûrement de l'iron, mais pas que. Il faut principalement un mélange de gold et de silver. Là, je vois que tu as du gold. Je vois pas de silver. Là, il y a du silver. Hop. Donc, tu balances dans ta forge deux lingots et un silver or que je t'ai foutu par terre. On va fondre. Et le mélange des deux va te donner. Mais ton épée, elle est perturbante. Te voir avec une épée pareille, ça me perturbe. Ouais, décapiteuse. Moi, elle fait mal, celle-là. Bref, le mélange des deux va donner. Les deux blocs. De l'électrum, ça va nous servir pour faire l'énervation dynamo. Il va falloir encore un petit peu de silver. Est-ce que tu en as encore un petit peu du minerai à part ce qu'il y a ici? Parce que du coup, sinon, tu vas être limité en silver. Du silver et du lead, t'en trouves en bas et apparemment, t'as pas dû miner assez longtemps en bas. J'en ai encore 52. Ok, je pense que c'est assez. Tu viens de me les voler. Là, je vois de l'iron surtout. Oui, du silver, ouais. Iron, c'est du fer. Ouais, t'en avais qu'un seul et je l'ai déjà utilisé pour faire de l'électrum. C'est-à-dire que là, maintenant, dans ton truc, là, t'as un des liquides qui s'appelle électrum, normalement. Gold, aluminium, bronze et iron. Pourquoi il n'y a pas le silver qui était avec? T'as pas mis le silver que je t'ai filé? Là-dedans? T'avais un silver or. Mais faut le mettre. Ok. Et je vais reprendre un lingot en plus dans mon chez moi. Voilà. Tac. Dans la table de craft. Attends, si tu veux, je vais le faire moi directement. Pour te montrer à quoi ressemble le craft. Là. Regarde dans cette table-là. Ça, c'est pour faire le truc qui transmet du courant. C'est un transmission coil. Tu peux le prendre. Et ensuite, il nous faut 8 d'électrum. Est-ce que tu en auras assez là-dedans? Là, t'en as 4. Il nous en va falloir plus. Bon, je vais te filer un peu du mien. Mais ça, t'en as quand tu mines en bas, normalement.
4 et 4. Donc, quand ça sera fondu, ça sera OK. C'est bon, j'en aurai de quoi faire un bloc. Donc on va déjà prendre un bloc de ça. Ça, c'est ton iron. Je te le balance. Donc, tu pourras prendre l'électrum bloc qui se trouve ici quand il sera refroidi. Et on le mettra dans la table de craft. Tu entoureras l'iron qui sera au milieu. C'est-à-dire que tu mettras nord-sud-est-ouest de l'électrum. Non, pas en bloc, il faut que tu le transformes en lingot. Presque. C'est ça, nord-sud-est-ouest. Il faut que tu le fasses avec 8 pour en avoir deux des roues. Voilà, tu prends les deux roues. Ensuite, tu mets un redstone ici. Tout en haut, tu mets le truc d'électrum que tu as créé tout au début là, en silver. Voilà, exactement. Il faut 3 d'iron que je te pique dans ton coffre ici. Et voilà. Là, tu as l'énervation dynamo. Et après, il va nous falloir du LED. Je vois que du LED, t'en as pas non plus. Donc, je vais en prendre chez moi. Du silver et du LED, t'en as pas récupéré quand t'as miné, c'est bizarre. Parce que normalement, ça se trouve assez facilement. Et donc, avec ça, on va faire une roue. Une LED gear. Donc, tac, 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 tac. Pareil que tout à l'heure. Je te mettrai un peu de LED aussi, comme ça, t'en auras. Je te file un peu de silver. Donc là, on en prend une. Ensuite, il faudrait du verre. Est-ce que t'as du verre quelque part? Ouais, j'en vois 30 ici. Je l'ai pris. Donc là, tu mets du verre. Au milieu, tu mets la roue en LED. Et sur les côtés. Voilà, donc là, tu as la frame. Tu peux la prendre. Ensuite, on reprend un d'électrum. Est-ce qu'il te reste un d'électrum quelque part? Tu le mets au milieu de la table si t'en reste. Je vais le transformer en truc. Puff, puff, tu peux le récupérer. Voilà. Et il nous faut un bloc de redstone. Tac, tac. Voilà. Et donc, tu mets la frame au milieu. Le truc en conductance en bas. Et du LED à droite et à gauche. Non, le truc, la fenêtre vide que t'as fait juste avant. Voilà, tu les échanges. Et voilà, ça fait une pile. Cette pile, elle reçoit de l'énergie. Donc ça, on va le jarter. Ça, on va le jarter. Tu mets la pile entre les trois. Voilà, et au-dessus, tu mets la dynamo. La dynamo, tu mets de l'électrum de la redstone dedans, genre comme ça, hop, hop, voilà, t'as la redstone. Elle commence à produire de l'énergie. Si tu vas dans le premier onglet qui est en haut à gauche, elle te dit combien elle génère. Pour l'instant, elle génère 40 RF, d'accord? Mais on peut l'améliorer. On peut l'améliorer en l'utilisant une upgrade avec du bronze. Est-ce que tu as du bronze et une ligne var? Alors du bronze certainement. Moi j'en vois ici. On fait une roue en bronze comme ça. Et ensuite pour avoir de ligne var, il te faudrait du ferrous. Je suis pas sûr que tu as du ferrous parce que pour l'instant t'as pas encore utilisé beaucoup ton sag mill, mais en fait. Ah ouais, t'avais de l'iron tout à l'heure. L'iron que tu avais mis tout à l'heure ici dans le coin, il est où? Ici, il y en a par exemple, je vais en prendre 32. Je vais le mettre dans le sag mill. Pour le faire aller un peu plus vite, je vais utiliser ton dernier flint. Peut-être en avoir aussi un peu chez moi aussi. Les flints accélèrent la machine et lui font utiliser moins d'énergie. Voilà, donc là on obtient de l'iron pulvérisé. La pile, tu peux la configurer, c'est-à-dire que quand tu cliques droit sur la pile, tu as une petite roue de configuration à droite.
Quand tu ouvres ces trous, en fait, tu vois toutes les faces du cube comme si elles étaient sur un plan à plat. T'as déjà dû voir ça à l'école. Tu prends un cube et tu le déplies, en fait. La face que tu vois au milieu, c'est la face qu'on voit en ce moment. Si tu mâches-clic sur l'une des faces, clac, tu rends toutes les faces neutres, d'accord? Ensuite, tu sais qu'au-dessus, il y a la dynamo, donc tu veux que l'énergie elle rentre. Pour que l'énergie rentre, il faut que ça soit bleu. Donc clique sur la face qui est la plus en haut pour la rendre bleue. Voilà. Et les machines sont à gauche, droite et en bas. Donc sur celle qui est au l'est, à l'ouest et au sud, tu cliques deux fois pour les rendre orange, pour qu'elles sortent l'énergie. Il ne te manque plus qu'ouest. Voilà, et les deux faces qui restent, c'est celle qu'on voit, il n'y a rien de collé dessus, donc on s'en fout. Et celle qui est dépliée tout au fond à droite, en fait, tout en bas, c'est l'arrière. Donc c'est pareil, il n'y a pas de truc dessus, donc on s'en fout aussi, on peut les laisser comme ça. Donc là, il y a bien l'énervation dynamo qui produit l'énergie, qui la transmet à la pile et qui alimente ton SAGMIL. Ton SAGMIL, il est en train de produire des trucs d'iron broyés, comme tu peux le voir. Il y a 34 poudres d'iron et il y a 4 de nickel. C'est un surplus quand tu broies du minerai comme ça, t'as un surplus. Je te laisse prendre l'iron pulvérisé et le nickel pulvérisé. Et dans la table de craft qui est ici, tu divises l'iron en deux, tu les mets dans deux cases différentes. Et n'importe où d'autre, tu mets le nickel. Ça va le mélanger pour faire de l'invar. Tu prends tout ce que tu peux faire, tu dois pouvoir le prendre trois fois, ou quatre du coup. Voilà, et tu les mets dans le four qui sont ici. Bon, évidemment, il y a un peu de trucs dans ce four, on va les enlever. Hop. Je te donne ta sande. Donc il va cuire et nous faire de l'ingvar. Tu vas en avoir besoin de l'ingvar pour faire les upgrades. D'accord? Plus de redstone sur moi. Salut à toi, The Waking Gamer 666. Donc maintenant on va venir ici et on va faire l'upgrade. L'upgrade elle se fait avec la redstone dans les deux coins. Ensuite l'ingvar qui est en train de se faire crafter, il faut que tu en prennes 4. Tu mets la roue que tu as fait tout à l'heure au milieu, la roue en bronze, et tu l'entoures des 4 lingots. Presque. 4. Tu prends l'upgrade. Tu cliques droit sur la dynamo, avec l'upgrade dans la main. Et là, tu l'as améliorée, elle est devenue grise dans les coins. Donc maintenant tu peux lui mettre une upgrade. Et déjà là elle produit plus d'énergie, c'est-à-dire que déjà pour l'instant elle produit 60 au lieu de 40, donc t'as gagné 50% de vitesse. Appelle-moi Dova, ça marche Dova. Et donc on va produire une autre upgrade, c'est du l'auxiliary transmission coil. Ça augmente l'énergie produite par les dynamos. Pour ça il nous faut un petit peu de silver ici. Donc tu nous fais un conductus coil en silver comme tu as fait tout à l'heure, donc comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et tu le mets au milieu de la table de craft. Tu l'entoures de 4 silver, comme ça. Et tu mets de la redstone dans les deux coins, en bas à droite et en bas à gauche. Il y en a dans le coffre si tu veux. La redstone. Non, juste en bas à droite, en bas à gauche. Voilà, tu prends l'augmentation, tu cliques droit sur la dynamo. Là maintenant, elle produit 120 RF. 120 RF, tout à l'heure t'en produisais 40, c'est 3 fois plus. Donc non seulement t'en produis 3 fois plus, là, de RF, mais en plus tu les transmets dans une pile qui est gigantesque, qui contient 2 millions de points de RF, et qui transmet l'énergie à tes deux machines. Donc là, tu as un setup d'énergie où tant que tu mets un petit peu de redstone en haut, tu vas produire une quantité bien bien violente d'énergie. Et t'es assez tranquille. Et du coup, vu que c'est une pile sur une pile, quand tu vas mettre ton jetpack en bas pour le recharger, comme ta pile en bas, elle fait 1 million de RF et que t'as une autre pile qui est au-dessus qui en fait 2 millions,
T'as 3 millions de points de RF que tu peux recharger là-dedans. A savoir que ton jetpack, je crois qu'il contient 80 000 RF. Donc tu peux recharger ton jetpack déjà une dizaine de fois là. Ok? Ce que je te conseille de faire ici, c'est faire 4 crates. C'est les coffres comme tu as fait là, ceux-là. C'est d'en faire 4 et de les mettre au-dessus et en dessous de ta machine là. Pour que quand elle processe, que tu vois la machine de droite là, elle est bouchée. Non, au-dessus et en dessous, pas sur les côtés. Là, ta machine qui est à droite, elle est bouchée. Elle est bouchée parce qu'elle contient. Ah, même pas. Mais en tout cas, elle est à demi bouchée. C'est-à-dire que là, bientôt, elle aura plus ce qu'il faut pour faire les trucs. Donc, il va falloir que tu la débloques. Pour ça, on va lui mettre un coffre en haut et un coffre en bas. Et on va lui dire, tu prends le coffre du bas. Tu l'utilises et ton résultat, tu le mets dans le coffre du haut. Et on va prendre des crates parce qu'évidemment, il faut pas mal de place pour ça. Donc pour les crates, il faut pas mal de bois. Je sais pas si tu en as assez. Encore en avoir un petit peu qui traîne dans le ME sinon. Tiens, je t'en fous dans ton coffre. Voilà. Faut que tu fasses 4 coffres, c'est ça. Ensuite, il faut que tu fasses avec tes sticks, tu entoures un morceau de bois Wakwood. C'est quoi l'IP, ça a l'air cool. Tape point d'exclamation IP dans le chat. Tu auras la version à utiliser. C'est pas la dernière version, donc il faut bien que tu prennes celle qui est indiquée dans le truc, dans la commande. Voilà. Tu mets un bout de bois au milieu et 4 planches dans les côtés. Ça va faire la base. Tu peux utiliser du bois normal, hein, du bois de Wokwood. Hein. T'es pas obligé d'utiliser l'eucalyptus au pire. Pas de problème. Et ensuite, tu remets le truc au milieu que t'as fabriqué. Tu mets 4 coffres dans les coins. Voilà. Et 4 bouts de bois. Tu manques de bois, c'est ça? Et ça, il faut que tu le fasses 4 fois pour faire les 4 crates. Déjà, je vais te montrer après comment on configure la machine. Est-ce que tu veux que je t'en produise également en même temps que toi, pour aller plus vite? Ou est-ce que tu veux tout faire? Si tu veux tout faire, tu laisses tout faire. J'ai pas vu ta réponse, j'ai pas vu ta tête. T'as fait un oui ou un non? Oui? Ok, je t'en fais deux moi aussi. Je fais tout. Ok, vas-y, fais tout. Et donc le truc intéressant avec ces machines-là, c'est qu'on peut leur dire de prendre des items sans upgrade, sans rien, de prendre les items dans un endroit et de les mettre dans un autre. Ça, c'est super, super intéressant parce que du coup, tu peux vraiment faire des trucs à la chaîne sans avoir à revenir pour remplir la machine et la vider. En gros, quand tu vas miner, tu prends tous tes minerais, tu les fous tous là-dedans, tu bourres tout, tu t'en vas, quand tu reviens, bah, tout est fait. D'ailleurs, je vais chunkload ta zone. Comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça, quand tu seras pas là, ça continuera de process. Hop. Hop. Voilà. Cache. Et oublie pas donc que si tu veux en faire deux d'un coup, il faut que tu produises 8 coffres. Et normalement, avec les configurations par défaut, si tu mets ta souris au-dessus d'un item, comme par exemple les coffres, et que tu appuies sur R, il va te montrer comment crafter cet item. Si tu mash-cliques sur le petit plus qui est à côté de la combinaison, il va tout te mettre dans les cases automatiquement. Ça permet d'avoir à ne pas le faire manuellement. C'est des raccourcis de crafting. Donc en gros, là, si tu prends ton small storage crate que tu appuies sur R au-dessus. Ah bah attends, je t'enfile un petit peu de bois. Ça c'est pas grave, il y en a dehors. On fait une team en commun, on peut partager le bois, hein, c'est pas non plus. Les transforme en planches.
Voilà. Ok, là tu dois déjà en avoir produit pas mal. Et tout à l'heure, tu as vu que les couleurs avaient une importance et souvent les modes utilisent les mêmes couleurs pour les mêmes choses. C'est-à-dire que pour faire rentrer quelque chose dans un objet, c'est bleu, pour la faire sortir, c'est orange. Ça marchera également pour eux. Tu peux mettre deux au-dessus également. Create. Un à droite et un à gauche. Bon, et tout à l'heure, je t'ai piqué un hopper, je vais te le remettre parce que si tu le mets là, en fait. Oups, allumer la machine par contre. Je l'ai raté. Je dirige vers le bas, voilà. Et tu mets de la redstone dedans, ça ira automatiquement dans la dynamo et elle marchera comme ça très longtemps. Alors, ensuite, au niveau de ton sac mill, si tu cliques dessus, tu peux le paramétrer. Donc, ce que tu peux lui dire avec la petite roue qui est à droite quand tu ouvres l'interface du sac mill, c'est OK, t'es dedans. Ça trouve un truc en 3D que tu peux manipuler. Avec le clic gauche, tu peux refaire retourner ta machine pour la voir en fait. C'est OK? OK. Et bah du coup, tu double-cliques sur celui la face qui est au-dessus pour qu'elle devienne orange. Parce que le premier clic va la rendre bleue, et la deuxième va la rendre orange. Et du coup, là, tu es en train de lui dire d'éjecter les items qu'il a fabriqués au-dessus. Tu vois? Donc tu peux voir au-dessus que il est en train de envoyer tout ce qu'il a fabriqué au-dessus, d'accord? Et ensuite tu vas lui dire, en regardant la face du bas, en cliquant une seule fois, tu prends les items en bas. Et ça va, en cliquant une fois, voilà, ça va pull. Et donc là tu vas prendre le minerai qui traîne chez toi. Genre t'as quoi là? Ici t'as un peu de tin, du copper, du gold, tu peux tout prendre. Voilà, là t'as quoi? Rien du tout. Et là, t'as quoi? T'as un peu d'aluminium. Le bauxite, ça marchera pas. Tu veux prendre le copper, l'iron, le lead. Et tu fous tout dans le coffre qui est en bas. En vrac. Et au fur et à mesure où il aura de la place, qu'il sera plus occupé à broyer quelque chose, il prendra des choses en bas. Et il continuera de les broyer. Et t'auras tes résultats en poudre. Et ça double. Un peu comme quand tu les mets dans la forge où ça double, là ça double aussi. Donc par exemple, si tu prends 36 de poudre d'iron, prends-les et tu les mets dans le coffre qui est en bas ici, et que tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu demandes à la machine avec la configuration deux clics en haut pour éjecter, un clic en bas pour tirer, elle va mettre les lingots qu'elle fabrique au-dessus et les poudres que tu mets en bas, elle va les prendre pour les brûler. Mais pas juste les poudres. Par exemple, si tu mets du verre. Si tu mets plutôt du sable, tout à l'heure t'avais du sable, il me semble qu'il traînait je sais pas où. Ou pourquoi pas de la cobble, tu la mets là. Et la cobble, quand tu la fais cuire dans un four, ça la transforme en stone normal, plutôt qu'en cobblestone. Là, la cobble que t'as mis ici, quand elle aura fini de cuire les 58 iron qui traînent au-dessus, elle commencera à la transformer en stone et à la mettre dans le coffre du dessus. Donc au-dessus, t'as déjà de l'ingvar, t'as de l'iron, tu vas avoir un peu plus d'un stack qui va traîner, et t'auras une vingtaine de cobble cuite. Si tu veux faire plein de verres d'affilée, tout ce que tu as à faire, c'est bourrer le coffre du bas de sable. Tu peux faire 10 stacks, 20 stacks, tant t'as de la redstone à alimenter pour l'énervation dynamo, il n'y a aucun problème. Ok. C'est pratique ça? Voilà, et du coup, ta pile en bas, là, maintenant, elle contient largement assez d'énergie. C'est-à-dire qu'avec la pile du bas, plus la pile qui est au-dessus d'elle, en ce moment, elle a 2 500 000 points de RF qui sont stockés. Si tu veux mettre ton jetpack dedans pour le charger. Donc, ça peut recharger largement ton jetpack, plus ta pile portable. Et tout ce que ça te coûte, contrairement à tout à l'heure où tu sacrifiais du charbon pour ça, tout ce que ça te coûte, c'est ta redstone que tu as en trop, que tu sais pas trop quoi en foutre, tu la bourres là-haut dans le hopper, et ça produira de l'énergie bien assez vite. Ça te convient? Voilà. Bon, moi je vais retourner dans mon truc, moi.
et faire quelques bazars. Prends ton wagon, je te fais que je t'ai fait maintenant. Laisse-moi deviner. T'as fait un wagon pour descendre, c'est ça? Attends, parce que t'as dû le laisser dans la table de craft peut-être, c'est ça? J'allais le prendre. Tu en as normalement. Ah oui, en effet, il est dans mon inventaire. Ok, j'arrive. Et c'est parti. Bah, tu t'amuses, toi. Youhou! À savoir qu'on peut améliorer certains rails pour qu'ils te poussent. Ouais, c'est rigolo drôle, t'as vu? Je cherche des rails, mais en fait, c'est pas comme ça que je crois qu'ils s'appellent d'origine. Je dois en avoir dans mon émeute de toute façon. Ah, c'est les tracks, c'est ça? Des booster tracks. Ça, c'est ceux de Railcraft, par contre. Je voulais ceux de base, moi. Tu peux en produire plusieurs et certains en fait te poussent et du coup si t'en fais des qui te poussent, l'avantage c'est qu'ils pourraient te faire remonter chez toi également. Et si tu veux pas dérailler quand t'arrives au bout, ce que tu peux faire c'est mettre un bloc. Voilà, comme ça quand t'arrives au bout tu rails, tu dérailles pas. Ça c'est déjà un truc. Et donc les rails. T'as j'ai oublié le nom anglais des rails de Minecraft quoi, c'est quand même fou. Ah, apparemment, t'es obligé de les faire avec ceux de Rycraft maintenant. T'en as pas d'autres. Ah, si, tu peux les faire en or. Booster track. Donc, avec des sticks, de la redstone. Attends, faire quelque chose. Je vais les mettre ici. Paf. Paf. Mettre ça là. Bon, ça coûte un peu cher, certes. Mais tu peux faire des rails comme ça en fait. Tu les fais en or au lieu de les faire en fer ou en bois. Attends. Ce qu'il me faut, c'est des sticks, de la redstone. Et donc, c'est le stick au milieu et le redstone là normalement. Ou alors le contraire. Ou c'est pas ça. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est que dans la rolling machine que ça marche comme ça. D'accord, super. Comment ça se fait ça? Bon, ça se fait que de la créosote, ça m'arrange pas. Putain, mais c'est chiant qu'ils aient bougé les trucs d'origine quoi. Et la rolling machine, comment elle se fait? Toi, du coup, t'as réussi à. Ah non, tu les as fait en bois les rails, toi, c'est vrai, c'est pas les mêmes. Des bons gears, des pistons, et une crafting table. Est-ce que j'ai ça? J'ai voulu faire les autres, mais j'ai pas réussi. Ouais, parce qu'il faut une machine pour les faire. Je t'avoue que la dernière fois que j'utilisais Rycraft, je crois que c'était il y a 5 ans. Donc, ça date un peu, quoi. Ah, le steel gear, je pourrais pas en faire, je pense, par contre. Ouais, parce qu'il me faut les steel ingots et j'en ai pas encore. Donc, il me faut la manuelle. Qu'est-ce qui me manquerait pour ça? Il faudrait que je fasse plus de pistons. Pour ça, il me faudrait plus de bois. Du bois, du coup, j'en ai dans ma scierie. Parce que ici, j'ai une scierie, c'est-à-dire que la sawmill qui est ici,
Dans la saumille, si tu mets du bois en bas, en fait, il ressort en planche là-haut. Sauf que tu en as plus. En faisant comme ça. Alors déjà ça, on va l'enlever. Et on va faire les pistons. Hop, voilà, j'en ai 21, c'est largement assez. Et il me faut des trucs en bronze. On n'est pas assez des bronzes. Alors, le bronze, c'est 3 copper pour un tin, c'est ça? Je dois pouvoir les faire dans la machine qui est à côté. Ah oui, d'ailleurs, tes machines, normalement, te servent à faire d'autres trucs. Genre, ingot. Du copper et du tin. Mettre plus de trucs. Donc, normalement, dans cette machine qu'elle a là, celle-là. Que t'as d'ailleurs toi aussi là-haut. On va utiliser celle de gauche, parce que celle de droite elle est occupée. Plutôt le contraire, celle de droite, parce que celle de gauche est occupée. Si on met du copper et du tin, exactement comme on ferait dans la forge, en fait, mais en lingot, eh ben, il va prendre à chaque fois 3 copper et un tin dans le stack qu'on a mis. Et il va les transformer. Et au-dessus, ça donne du bronze. Et en plus, c'est super rapide. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut avoir du bronze rapidement. Donc là j'en ai 4, 8, j'en ai assez. Donc là on va faire les roues en bronze. Cette machine elle sert également à faire ce que tu fais avec ta forge en fait. Faut mettre des lingots et il les transforme en alliage. La forge sert en début de partie. Oui, clairement c'est ça, elle sert plus en début de partie et après elle est trop chiante en fait. Manipuler les liquides au bout d'un moment ça gonfle un peu quand même. Faut avouer, c'est manuel quoi. Il y a des moyens d'automatiser la forge mais c'est vachement chiant et du coup autant le faire avec des machines parce que les machines par contre c'est super simple quoi. Là, les machines une fois qu'elles sont placées, t'as juste à faire ça et c'est fini quoi. Donc la rolling machine elle se fait comme ça, il faut un coffre au milieu, c'est ça? Voilà. Voilà, donc normalement là elle est bonne. Par contre, je sais pas comment on l'utilise, mais. Ah non, c'est une table de craft, table de craft au milieu, pas un coffre. Tac, tac, tac. Et tac, voilà. Et je vais voir si ça marche. Donc, si je la mets là. Faut que je vois comment l'utiliser, mais j'imagine qu'il faut une petite, un petit truc avec des crans dentés dessus. Mais normalement, si je fais ça, elle va reconnaître le craft. C'est ça. Non, elle crafte pas tout, j'ai l'impression, la rolling machine. Mais au moins, elle crafte les trucs qu'on voulait faire tout à l'heure. Les rails. Donc les rails, les rails, les rails. Ah parce qu'on peut faire des rails en blaze aussi. Attends, mais est-ce que j'ai du blaze? Que pour l'instant on va abandonner ça puis on va faire en blaze si j'en ai. Ouais, j'en ai 7. Il faut du bois et ça. On va essayer. On va voir si ça marche. T'as quoi dans ta main? J'ai accès en fait quand je clique à ça. J'ai accès à l'ordinateur qu'il y a ici. En gros, quand je clique là, paf, j'ai accès à tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, ils seront faits de cette manière-là. Et il me faut également du bois, c'est ça? Ah ouais, pas n'importe quel bois, c'est ça. Ça marche pas avec tout. Non, il faut uniquement des fuse-wood. Non, bah c'est chiant ça. J'ai pas envie. Je veux un ordinateur moi aussi. Alors, l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué, mais je pourrais te montrer comment faire. Du coup, pour faire les rails de base, ce qu'on avait vu tout à l'heure, de Minecraft. C'est booster, c'est ça? C'est cela, il faut des advance rails qui se font avec une metal rolling, avec du silver et du machin et du gold. Donc est-ce que ça marcherait? Je fais les tests, c'est important que j'ai pas des railcraft, alors je t'avoue que je sais plus comment on fait. Voilà, ça marche.
Ah bah ça marche, regarde. En train d'en préparer là. Cette machine-là. D'accord, il a déjà fini en fait. Quand on fait ça, regarde. Tac, 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 tac. Là, il les fait. Je pense que quand il a fini, il devait les éjecter. Là, ils sont ici. Voilà, je peux les prendre. Tac, 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 tac. Vraiment, tu peux cliquer pour le lancer. Et après, il faut faire le truc au milieu. Les wooden ties, ça a l'air facile à faire, par contre. Ah ouais, de la créosote. La créosote, par contre, on va pas en avoir comme ça. Comment il s'appelle le truc qui fait de la créosote? Je m'en rappelle plus. Coal coke. Ah, c'est un coke oven, c'est ça? Coke brick. Ça se fait avec des briques et de la clay. Du sand. Ah, est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as en haut, t'aurais pas de la clay par hasard? Pour une fois que c'est moi qui te demande un truc. Pourrais des vite fait, mais. Parce que là, moi, j'en ai pas sur moi déjà en tout cas. Bon, aujourd'hui, pour ceux qui sont là, je préviens, c'est un peu. C'est un peu le tuto de River 4, donc. On avance tranquillou quoi. Pas de panique. Celui-là, je le mettrai pas forcément sur YouTube. Pas d'un grand intérêt. Oh non, mais moi, ça me va. Je suis content d'être avec toi. Fais des trucs. Bon, bah, rip pour moi. T'arrives pas à charger, c'est ça? Il y a trop de. Trop de power pour ce modpack. Ça, c'est une rivière. Quoi? Un autre noob que moi sur serveur? Oui, tout à fait, il y a River. Il y a River la noob. J'ai fait une forge toute seule. Ouais, du coup, elle a une étape de noob de moins que toi, quoi. Et une épée. D'ailleurs, je lui ai même pas montré comment faire l'épée, elle l'a trouvée toute seule, quoi. Je l'ai même pas encore fait sur serveur, d'ailleurs. La décapiteuse. Elle a vraiment un nom de barbare, d'ailleurs. Bon, j'ai trouvé de la clé d'or, je vais pouvoir rentrer et faire le coal coke. Bison, il peut faire un tour de chouchou. Bah, s'il passe sur le serveur, on lui montrera ton petit train. Le petit train des enfers. Elle est à la maison. Elle est là. Donc il va falloir que je crée de la créosote et des bouteilles en verre. Pour récupérer tout ça. Et je t'avoue que c'était pas vraiment prévu que je fasse des rails aujourd'hui. Alors j'aime pas du tout créer de coal coke. Hein. On va descendre et faire tout ça en bas. Bison, il part en réunion e-sport. Puf, parler anglish à 2h30 du matin. Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air cool. Amuse-toi bien, surtout, hein. Ok, donc là, c'est fait. Moi, je vais ranger ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa redstone? C'est qu'en plus, ça va nous servir, mais pour l'instant, ça va être dangereux de le laisser comme ça. Ça, je vais le ranger, je vais le ranger. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça non plus. Je vais brûler un peu de ça.
pour faire un tunnel plus dark. Ouais, pourquoi pas. Et donc, les coque-briques se font comme ça. Le reste, je devrais l'avoir. Faut quand même pas mal, je pense. J'ai genre pas de sable, zéro. Ah, c'est que uniquement la sandstone? C'est pas de. Marche pas, ouais, d'accord. Ok. Attends, j'ai la sandstone. Voilà. Là j'en ai 9, donc il me semble qu'il en faut encore un petit peu plus quand même. Mais avec 27. Donc là je vais prendre un truc qui va faire de la créosote. Qui est assez simple à faire normalement. C'est celle d'immersive, donc il va me falloir. Oups, mes jetpacks. Ah, j'en ai fait juste assez, je crois. Voilà. Donc, il me faut le marteau de. Du mode. Je clique droit au milieu, ça le transforme normalement. Voilà, ça le transforme en four, c'est ça. Maintenant, on peut l'ouvrir. Et on va foutre du charbon à l'intérieur. Comme ça. Et il nous faut. Du verre. Je vais créer de la créosote en fait. C'est-à-dire que là, je vais transformer ce coal en coal coke. C'est-à-dire c'est du charbon mais amélioré. Et je vais mettre en fait des bouteilles ici dans le slot qu'il y a là. Et ces bouteilles en fait, quand il y aura assez de. Comment ça s'appelle? De trucs dedans, de créosote, ça va faire une bouteille de créosote. Et ce qui permet en fait de faire le milieu des rails. Parce que là, j'ai fait le côté des rails pour l'instant. Je l'ai produit tout à l'heure. Mais il nous manque les tailles, les côtés. Ouais, voilà, ça c'est chiant à faire. Et bah, du coup, là, je suis en train de les faire. Voilà. Ouais, la créosote, c'est chiant à créer. Et donc, là. On va voir 64% combien ça donne, mais a priori. Ça va pas donner non plus directement un truc. La créosote sert pour pas mal d'objets de base de d'immersive engineering. Et du coup que je l'ai créé, c'est bien pour plus tard. Donc j'attends, il est à 86%, je vais voir si ça remplit une fiole ou pas, ou s'il n'y en a pas assez pour remplir une fiole. Là il est empty à droite, on voit. 97. Donc là il va créer un cold coke. Et il a créé 500 ml de creosote oil, donc il va falloir un petit peu plus. Et il en faut combien? Parce que là, il en faut 4 pour créer un wooden machin truc. Ouais, je vais les laisser créer plus tard, je veux juste la première pour voir comment ça se passe. Et après, oui, ça risque d'être long. Et pour créer des rails, ça va faire ça. Sinon, au pire, je vais le laisser ici faire ça. Et on viendra dans un quart d'heure, on pourra faire des rails. On a juste à attendre que ça se fasse, en fait. Et les coal coke qu'on produit, en fait, à la fin, c'est du charbon amélioré, puis ça sert aussi pour d'autres trucs. Voilà. Mais je savais pas qu'ils enlevaient les boosters. Sinon, les booster tracks, ça se fait assez facilement dans Minecraft de base. Mais juste, Railcraft, ça a enlevé la possibilité de pouvoir le faire. Et toi, t'en avais créé en bois, en fait, des wooden tracks, c'est ça? Wooden rail with a trap door. Ah ouais, tu peux créer des wooden rails. Mais je savais pas du tout qu'on pouvait créer des wooden rails avec Tinker's Construct. Hein. Tu m'as appris un truc aujourd'hui. En plus, ils sont simples à créer, c'est vrai.
Voilà, du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Dis-moi si tu as une idée de quelque chose que tu voudrais faire. Tant qu'à partir en stream pour les trucs de noob, autant un marteau rose. Je peux toujours pas te faire de marteau rose. Il n'existe toujours pas. On peut améliorer ton marteau si tu veux pour qu'il puisse tout creuser. C'est assez facile et tu pourras même le faire toi-même. Est-ce que ça te dirait? Quand ton marteau, a priori, il creuse pas tout, c'est ça? Parce que là, ouais, il creuse quoi ton marteau? Level obsidienne, donc il creuse pas tout. Il n'a pas de level maximum. Donc ce qu'on va faire. Hop. Tu vas venir ici. T'as déjà fait un seau, est-ce que t'en as un sur toi? Parce que sinon, bah, des seaux, j'en ai. Hop. Ah merde, du coup il est dans ce coffre-là, parce que si je te le jette par terre ici, il y a un objet qui les ramasse automatiquement. Donc là, il y a deux seaux à la fin. Tu peux les prendre dans le crête en bois. Voilà. Et il te faut un seau de lave qui est dans ce drum qui est de couleur lave ici. Un seul. Et un seau d'eau, avec l'eau qui est au-dessus. Voilà. Donc là, avec ça, on va partir chez toi. Arrête de me pousser, toi. Je vais t'apprendre comment faire de l'obsidienne quand t'as la flemme de le miner. Et comment surtout le faire quand t'es en début de game, dans ta forge. Pour pouvoir améliorer ton marteau à un niveau bien plus élevé. Il minera pas plus vite, il sera pas plus résistant. Ouais, mais tu sais pas encore améliorer ton marteau, tu sais faire l'obsidienne. Donc l'obsidienne, t'as juste à cliquer droit avec la lave et l'eau sur un des drains pour le mettre dedans. C'est facile, tu prends tes seaux, tu les verses dedans. Tu peux y aller, n'hésite pas. Non, ça c'est pas un drain, ça c'est un bassin. Le drain, c'est l'élément là avec les trous là. Voilà, je fais pareil avec la lave. Du coup, les deux vont se mélanger dans la forge, un peu comme quand tu mélanges du copper et du tin. Sauf que ça va créer l'obsidienne. Je l'ai mis tout en bas. Et là, t'en as un bloc. D'accord? On va faire un cast. Donc ça, je vais te l'enlever. Je vais te le foutre. T'as pas de coffre ici, t'as un coffre à cast ici. C'est parfait. On va faire un nouveau cast. Ce nouveau cast. Attends, je vais prendre de l'or en même temps. Oups, j'ai fait tomber de l'or. Voilà. Ce nouveau cast, il est dans ta machine qui est ici. Il s'appelle. C'est le tout premier. Le tout premier des castes, c'est un Sharpened Kit Pattern. Tu le mets dans ton pattern chest. Ok, et tu le sélectionnes et tu le fais en stone. Bah dans ton part builder, tu peux sélectionner le tout premier patron et tu le fais en stone avec une stone. Non, ça, c'est pas le part crafter dans lequel t'es. T'es encore dans le coffre, c'est ça? Voilà, c'est bon, tu prends le stone sharpening kit et tu le poses sur la table. On va faire un patron en coulant dessus. Et maintenant tu rappuies pour faire le faire en obsidienne maintenant qu'il y a le patron. Voilà, et pendant qu'il refroidit, il nous faut un flint. Est-ce que il te reste des silex donc quoi? Ou est-ce que je t'en sors un? Oui, t'en as. Ok, donc tu prends ça. Tu vas dans ta forge. Tu mets ton marteau au milieu. Le flint.
Et le Sharpling en question. Donc là, maintenant, ton niveau sera obsidienne et tu vois que ton mining level, il passe à cobalt. Donc là, tu pourras déjà tout miner avec ton marteau. Ok. Et maintenant que tu l'as amélioré, est-ce que tu voudrais pas aller chercher du minerai qui permettrait encore de le faire aller plus vite en changeant la tête du marteau? Pour ça, il faut aller dans le Nether, chez moi. T'as dit? Ton jetpack, il est à peu près plein, ta pile aussi, ça va, tu peux te trimballer un peu? Elle m'a fermé toutes les portes au nez, quand même. Non, au secours! Moi, j'ai pas le mien. C'est moi où tu me bloques. Là, je suis à fond en avant pour essayer de te faire avancer, mais c'est pas facile. Elle est contente. Elle dévale la pente. Oui, bah, le mien, il est là, tiens. Il est resté là. Ouais, comme ça, ils détruisent pas quand il y a un bloc au bout. Bon, on va aller chez moi. Et on va prendre le truc qui permet d'aller dans l'enfer, le genre d'enfer. Hop, 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 hop. Tac, tac. Ça, j'en ai pas besoin non plus pour l'instant. C'est ce que tu m'as filé tout à l'heure. Pourquoi en enfer? Parce que il va y avoir le cobalt principalement et l'ardite également pour améliorer un peu les trucs que tu as sur toi. T'as toujours ton shuriken d'ailleurs, il est toujours en flint il me semble ton shuriken. T'es déjà dans l'enfer je suppose, hein. Je suis en train de prendre le TP mais tu vas déjà être dedans. Ok. Pourquoi tu n'utilises pas tes shurikens? C'est violent. T'aimes pas? Ah d'accord. On aurait pu les améliorer en même temps, mais si t'aimes pas, tant pis. Je préfère ma grosse épée. Oui, ou ça marche aussi. C'est juste que c'est corps à corps. Tu vois ça? C'est ce qui permet d'améliorer ton marteau, c'est du cobalt. Maintenant que ton marteau est amélioré, il peut le miner. Par contre, c'est loin. En tout, il t'en faut 4 pour améliorer ton marteau. 8 si tu veux l'améliorer beaucoup. De comme ça. Donc là, t'en as eu un. Là, j'en vois un ici. Tac. Il est par terre. Ah, j'en avais même plusieurs ici. Il y avait un groupe. Donc là, il y en a 3 par terre. Hop. Tiens, je te file celui que j'ai trouvé, moi. Hop. Attention de pas miner sous tes pieds, parce que même si t'as un jetpack, tu pourrais tomber, ça peut surprendre. Ok. 10. Donc du coup, on pourrait même améliorer ta lame pour qu'elle fasse plus de dégâts, ta décapiteuse. Pour ça, il te faut également de l'ardite, parce que c'est un mélange des deux. L'ardite, c'est celle qui est un peu jaunâtre, bizarre, là. Attends, t'as dû en avoir deux, a priori. On va miner un peu le cobalt et l'ardite qu'on trouve en passage. Allez, du cobalt. Ah, pardon, j'avais mon gun, j'ai tiré sur. Ça va, je l'ai pas touché, sur un pigman. Je vois de l'ardite ici également. Encore en dessous. Ok. On va aller voir dans ce tunnel là, on sait jamais. Bon, c'est même pas un tunnel, c'est juste un petit passage. Donc moi j'ai deux dardites encore que je t'ai pas filé. Hop, on va voir par là. Y a du cobalt ici. Et si tu veux du quartz, c'est ce qui est blanc. Ça donne pas mal d'XP d'ailleurs le quartz. Mais quand tu vois du blanc par terre un peu bizarre, là ça c'est du quartz.
Ça peut servir à faire d'autres trucs, y compris des blocs de décoration, mais ça peut aussi servir pour les technologies, ça. Là, il y a du cobalt et de l'ardite. Ok. Je me suis occupé de la gaste à la con. Ah, il y a 4 nardites ici. Oh là là, il a 5 là. En ardite, je pense que c'est bon. En cobalt, t'as combien? Parce que là, j'ai 11 cobalt et 7 ardites. Voilà. Ah, attention, il y a un vilain creeper explosif. Tiens, je te fiche que j'ai trouvé par terre. Avec ce qu'on a, on pourrait limite rentrer et s'en occuper. Oh là là, attends, il y a un gros patch ici. Pour limite rentrer, pour s'en occuper, d'améliorer à la fois ton marteau et ton épée qui tue. Donc à savoir que le cobalt, c'est surtout orienté minage, et que le mélange de cobalt et ardite s'appelle le manulium, un truc comme ça, à peu près, manulium, c'est imprononçable. Et lui est plus orienté arme, donc il sera pour ton épée. Donc on va te faire deux parties de ton marteau en cobalt, et deux parties de... Enfin, au moins une partie de ton épée en manulium, pour augmenter les dégâts. On va retourner au portail. Minant ce qu'on trouve au passage. Et donc, si t'avais pas amélioré ton niveau de minage à cobalt avant de partir, grâce au sharpening kit qui est en obsidienne, t'aurais pas pu miner le cobalt. Si tu l'avais miné, il aurait explosé, tu n'aurais pas pu le récupérer. Donc, c'était le but. Parce qu'une fois que tu auras la tête en cobalt, de toute façon, tu seras au minage cobalt. Donc, même si t'avais pas de sharpening kit, après, ça marche quand même. Fais attention de pas tomber en panne de batterie. Ça pourrait être la mort qui t'a assassiné, Mathias. Oui, je recharge. T'as bien fait. Faire pareil, tiens. Je t'attends au portail, mais je crois que tu vas du mauvais côté. Je sais pas si tu me vois sur la minimap. Je vais te tirer dessus pour la peine. Ouais, moi aussi j'ai un gun. Hein. Allez, surtout salut. Hein. Surtout salut. Hein. Ok. Par ici. On va retourner chez toi par là, ça ira plus vite qu'en passant par les tunnels. C'est par là ton chez toi, on est d'accord, hein. Ne trompe pas. Ok, donc dans ta forge, tu mets déjà 8 de cobalt. Donc tu remplis presque les 9, tu vois, il n'aura plus qu'un emplacement de libre. Et on va mettre la tête de marteau et l'autre. Donc à savoir que ça, c'est comme d'habitude, ça double. Donc avec 8 de bidule chouette, tu vas en obtenir 16 de lingots. Et comme il en faut 8 pour le hammerhead et 8 pour la plaque de protection du côté. Ça tombe très bien. Et on va te laisser un côté en bronze. Comme ça, tu pourras continuer de réparer ton marteau avec du bronze. Même si tu as deux parties en cobalt, tant que tu as une autre partie qui est un autre métal, tu peux réparer avec. Donc tu feras comme avant pour réparer avec du bronze. Donc là, il doit avoir fondu ou presque. Et après, je ne me rappelle plus ce qu'il faut pour l'épée. Je vais regarder. L'épée, ça se fait avec une grosse lame et une tête de creeper, là. Une tête de protection.
La grosse lame, elle se produit avec combien? J'imagine 8 aussi. Oui. Ok. Donc là, ça va fondre. Donc tu pourras déjà en remettre 8. Voilà. Et pendant que ça fond, on va s'occuper déjà de couler les deux morceaux de ta. Voilà, en mettant le cobalt en bas. Les deux morceaux de ton truc, le temps qu'ils refroidissent. Et après, donc, pour pas faire ton épée en cobalt, on va la faire en manilium. Et donc, il faut que tu mettes exactement le même nombre de minerais de cobalt que tu as mis d'ardite. Donc là, tu as mis 8 cobalt, après, tu mettras 8 ardites dedans dès qu'ils auront fondu. Ça marche? Ils vont se mélanger les deux, ça sera parfait. Donc là, tu vas récupérer les deux bouts, tu vas les mélanger avec. Enfin, tu vas les upgrade avec ton marteau, mettant ton marteau et les deux morceaux dedans. Parti. Et regarde bien la différence de vitesse avant d'accepter de faire le changement. Et de durabilité aussi. Donc mets tes deux morceaux déjà, que tu vois la différence. Donc la tête. Voilà. Donc là, tu as un marteau qui, de base. Un mining speed de 2,92 et une attaque de 6,4, donc une durabilité de 1600. Tu passes à 2200 de durabilité, donc tu gagnes quasiment 50% de dura. Tu as une vitesse qui passe de 2,92 à 4,48, donc tu as pratiquement 100% d'augmentation de vitesse. Et tu prends un demi-point de dégâts. L'attaque, c'est pas ce que tu prends le plus. Voilà. Donc tu peux accepter, tu auras ton nouveau marteau qui va bien plus vite. Ensuite, il te faut le truc de l'épée. Le truc de l'épée. C'est ça. Hop. Il faut que tu mettes les 8 de d'ardite que t'as pas mis. Ils vont mettre longtemps à fondre. Parce que là, t'as les 8 de cobalt confondus, mais pas les 8 d'ardite. L'autre morceau, c'est celui-là aussi. Donc, normalement, si les calculs sont bons, tu vas obtenir 16 de manilium une fois que ça sera fondu. Avec les 16, tu pourras couler 8 ici pour faire ta lame et 8 ici pour faire ta protection à la con. Je veux une super armure. Bah, je dirais que tu la fasses en diamant. Ah, pour être belle, une jolie armure. Bah, par contre, je t'avoue. Quelle couleur pourrait te plaire? Parce que j'en vois une verte, une noire, une rouge, une bleu pâle, une bleu clair, une toute noire. Je veux l'armure du dragon. Tu te rends bien compte que je l'ai pas. Hein. Si je l'ai pas, à mon avis, c'est parce que je peux pas la faire tout de suite en fait. Il faut qu'on tue des Wither Boss avant. Donc ça sera demain ça. Voilà, tu vois, t'as du manium qui est en train de se former là. Bah je m'en fous. Ah oui, bah moi aussi, ça tombe bien. Je la veux maintenant. Oui, pourquoi pas, ouais. Je vais te faire un give. Donc maintenant, tu as un bloc ici, un lingot de voilà, manilium. Et. Ça fait un métal un peu violacé mignon ici. Est-ce que tu as ramassé un peu de quartz dans le nether également? Une armure noire. Alors en black quartz, elle a une protection de 5. En void cristal, elle a une protection de 3. Et sinon, tu as les dark leggings qui sont avec du truc à la con qui a une armure de 6 et 2. Donc ça fait 8. Ce serait celle-ci qui serait la plus stylée, je pense. Donc tu as tes deux morceaux, tu fais comme tout à l'heure, tu les poses dans ton truc, tu le forges. Voilà un peu la différence de dégâts, mais normalement ça va bien augmenter tes dégâts. Et ta durabilité.
Donc t'as une... là, t'as une attaque de 11-26 et tu passes à 19. T'as presque doublé tes dégâts. Abusé. Très bien. Et maintenant, elle est violette, un peu comme du dragon. Eh oh, doucement! Elle est violente, hein, même si je suis en armure. Tu peux me tuer là. Fais gaffe, j'ai un flingue, moi. T'es buté, moi. Puis buté, moi. Buté. Bref. Voilà, donc t'as une épée bien plus cheatée maintenant. J'aimerais bien avoir une grosse épée comme la mienne. Ah! Ah, très bien. Ah, je vois la mentalité, très bien. J'ai plus de wagon. Bah oui, les deux sont en bas. Bah, t'inquiète pas, après qu'on aura fini le système, il n'y aura plus ce problème-là. Donc c'était un booster, hein, c'est ça. Chaque problème une solution, certes. Et il nous fallait des wooden tiles qui se faisaient avec de la créosote. Voilà, j'en ai déjà 8 là. Donc je vais pouvoir crafter déjà quelques boosters. Je pense pas que j'en ai assez pour monter, mais... Ah, t'en as refait un. Très bien. T'as le débarque chez moi. Il va y avoir que 45 trucs ici. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir prendre des wooden slabs, en oak par exemple. Voilà. Faire comme ça, prendre la créosote. Il y a 16 coke. Ouais, et du coup les bouteilles qui étaient à droite, je les ai pris et je les ai mis dans la table de craft. Parce que ça fait 8 bouteilles. Et les 8 bouteilles, elles sont ici. On voit qu'on peut faire 8 wooden tiles. D'ailleurs, si tu veux les prendre, tu peux. Voilà. Et maintenant, tu les mets en 4. C'est en cube. Donc, tu les divises. Voilà. Voilà. Et ensuite, normalement, il faut que tu les mettes au milieu de ça. Et moi, il faut que je mette un petit peu de redstone. Est-ce que j'en ai là? Hop. C'est pas la bonne table. Si, si, c'est bon. Vas-y, bah prends les 32 machins. Voilà, donc ça, on va casser. Voilà. On va péter ceux-là, par contre, ce qui vont nous gêner. J'en ai que 16. Ouais, c'est pas grave. Déjà, avec 16, c'est pas mal. Viens là et place-les par terre. Voilà, t'as vu, ils sont coloriés. Ils sont coloriés parce qu'ils touchent les torches. Et que les torches, c'est un signal de redstone, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va les désactiver. Comme ça. Ok. Là, on va ajouter un bouton. Un bouton en bois, par exemple, on s'en fout. Voilà. Maintenant, mets un des cartes ici que tu avais. Voilà. On appuie sur le bouton. Mais là, t'as pas assez de puissance. Voilà, tu vas redescendre. Mais tu vois le principe? Et ce qu'on peut faire ici, par exemple, tu peux en remettre un autre. Mets-en un. Et je vais mettre un levier. Un levier et je l'allume. Donc du coup maintenant il est allumé. Et essaie d'en mettre un deuxième ici, à la place de l'autre. Parce qu'il en faudra au moins deux pour que ça accélère un petit peu. Maintenant, reteste. Va dans ton carte, emmène-le au bout, le carte. Voilà, appuie sur le bouton.
Java que tu passes sur un morceau qui a un booster en fait, tu vas accélérer un petit peu plus. Par exemple ici tu as mis une torche, donc on va en mettre aussi un petit peu ici. Donc ces deux-là en fait on va les remplacer par des rouges. Voilà. Et comme la torche elle est collée contre, t'as vu ils sont déjà allumés. Donc vas-y reteste, voir si t'arrives à monter jusqu'en haut. Putain, je vais te le mettre là. Ah, t'as réussi à monter jusqu'à la partie où c'est plat, c'est ça? C'est bien ça, hein, t'as réussi à monter jusqu'à la partie qui est plate. Donc du coup, on va en remettre deux ici pour continuer de monter. Ou quatre, tiens, on va en mettre quatre ici. On va remettre ta torche rouge parce que t'aimes bien la torche rouge, donc autant la remettre. Et ici, t'en mets quatre. D'ailleurs, ça va aussi accélérer la descente, c'est-à-dire que quand on va redescendre ici, on va de chez toi, on va descendre cette partie-là encore plus vite. Ici, on va en mettre pareil 4 ici. Et une torche. Ah, maison 2. Maison 2 près de la torche. Voilà. Et c'est moi qui ai les bouts d'un bidou chouette du coup. Voilà, essaie de voir si t'arrives jusqu'à là-bas. Et pareil ici, je pense que je vais en récupérer deux. Ok, j'arrive avec les deux qui me restent. Du coup, j'en ai récupéré deux qui étaient en bas. Je devrais pouvoir les mettre chez toi. Et chez toi, on va également mettre un bouton contre le mur pour pouvoir te lancer, en fait, que tu te lances plus vite. Bonjour, je crois que tu es en train de me pousser un petit peu là. Ah, j'attends que t'arrives. Ok. Pardon, je vais faire ça en fait. Parce que si tu le tapes, tu peux le faire tomber. Mais ah, je crois que c'est moi qui les ai les deux qui restent. Ouais. Toc, toc. Donc les deux qui restent. On va mettre un bouton contre le mur. De la même façon. Bouton, 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 bouton en bois. Bouton en bois ici. Tac. Paf, mets ton minecart, monte dedans, appuie sur le bouton contre le mur. Crois que je te bloque un peu. Vas-y, appuie sur le bouton. Wouhou! Et voilà. Tu peux même t'élancer un petit peu à la main, ouais. Je sais pas si ça suffira pour monter jusqu'en haut, mais tu peux t'élancer un petit peu à la main. Voilà. Ça, tu peux remonter avec ton minecart. Tu peux pas juste descendre. Alors, il y a un truc dont je ne suis pas sûr, mais que je vais essayer. Normalement, ça marche. Sponsor. Ça marchait à l'époque, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas maintenant. Ça se fait comme ça. Non, je voudrais prendre avec un arc neuf, s'il vous plaît. Ok. Ça c'est bon, ça l'active pas, c'est ce que je voulais. Je regarde si je fais ça, si ça le met en place. Non, ça me le donne, c'est tout, ça le met pas en place. Il me semblait qu'il y avait un moyen de mettre un rail sur.
sur un truc, mais c'est pas comme ça. Je vais essayer comme ça. Si je le dirige vers le haut. Comme ça. Je mets le rail par-dessus. Si je fais ça, merde, pas ça que je voulais faire. Comme ça. Non, ça le fait juste tomber. Ah, je crois que je trouve la solution. Parce que ça marche plus apparemment ça. Mais avant, ça permettait de mettre un rail directement dessus. Paf. Voilà. Ça, il y aura toujours un rail en haut ou en bas par rapport à comment tu t'es venu. Ça marche? Tu veux autre chose? Donc, oublie pas que pour en faire des rails, il faudra à chaque fois, si tu veux en mettre d'autres autre part, utiliser cette machine-là pour faire les côtés, la manual rolling machine, avec du gold et de la redstone. Voilà. Ah, elle se remémore pas les trucs, d'accord. Je pensais qu'elle se remémorait. Toc. Et toc. Ah oui, la manual rolling machine, en fait, si tu sors de l'interface, elle arrête de travailler, d'accord. Donc faut pas fermer l'interface. C'est intéressant. C'est pour ça qu'elle est manuelle, en fait. Il faut la regarder bosser, quoi. Tu fermes une seconde l'inventaire, ça marche plus. Intéressant le système. Je pensais qu'il fallait faire avec une genre de manivelle ou je sais pas quoi. Donc faut juste attendre qu'elle fasse des choses. Maintenant mon armure de dragon. Non mais c'est toujours mort l'armure de dragon en fait. L'armure de dragon, on peut faire pose des. On peut faire pop des Wither Boss, ça va. Mais ça va encore être tendu, tu vois, pour pouvoir en produire assez. On peut peut-être. Je vais regarder, mais il faudrait qu'on fasse pop 4. Wither Boss. On a mangé ce qu'il faut. Va falloir aller dans le Nether et faire pop. Comment ça s'appelle? Non, aller chercher du sable, de la Soul Sand. Ça, je suis obligé, par contre, je vais pas pouvoir y couper, je vais être obligé d'aller dans le Nether. Si tu veux, au pire, va dans le Nether et va chercher du Soul Sand et je mets le reste en place, si ça te va. Non, c'est bon, enfin, c'est pas si grave. C'est un spawner basique que je fais là, je vais juste le construire en fait. Je vais pas le. Il n'y a rien de vraiment à setup en fait. Je vais faire aucune machine ni rien, je vais juste faire une cage résistante dans laquelle je vais mettre des choses. Des Wither Boss. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tac. Du Soul Sand, tiens, je vais te le montrer si tu veux ici, parce que je dois en avoir un tout petit peu, mais j'en ai vraiment pas assez. Non, j'en ai même pas là, quoi. Le Soul Sand, c'est un sable bizarre avec une tête de mec qui a genre une âme torturée qui ferait bleh. Et quand tu regarderas le sable, ça s'appelle de la Soul Sand. Généralement, ça se trouve comme des plages, tu vois, comme les plages dehors. Sauf que c'est des plages de sable à la con. Intéressant, j'ai encore eu 4 de créosote. Pourquoi pas? Donc, va dans le Nether si tu veux. Bah sinon, ce que tu fais, tu tapes dans la recherche, tu sais, quand tu ouvres ton truc. Je le trouve où dans le Nether? Bah, n'importe où en fait, c'est des grosses plages. C'est un peu comme là tout à l'heure, on trouvait le cobalt. Bah, sur des bords, en fait, t'as jamais fait gaffe, mais c'est pas des blocs rouges, c'est des blocs un peu. Marron. Donc si tu veux, tu tapes dans la recherche, en ouvrant l'inventaire, tu tapes Soul, Soul, et tu verras que le premier objet, c'est de la Soul Sand, pour voir à quoi il ressemble. Normalement, ça devrait marcher, ça. Hop, hop.
Ok, ça on va tout stocker. Ah, faut voler un petit peu pour en trouver quand même. Ah, tu le trouves pas dans le truc de recherche? Ah, parce que toi c'est en français, donc c'est le sable des âmes. Tape juste sable. Parce que c'est en français, j'ai oublié que t'avais traduit 10% du texte, et vu que c'est un objet de base de Minecraft normal, faut que tu tapes le sable. Sable des âmes, c'est un sable un peu marron. À chaque fois, j'oublie que t'es en français en fait. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais faire ça. J'en ai fait que 16. Ah oui, parce qu'à chaque fois, ça demande. D'accord. À chaque fois, ça demande plus de ça. Donc, il faut que je fasse beaucoup plus de grilles. Hein. Ouh là là, beaucoup, beaucoup plus. Faut que je fasse 3 stacks de grilles. Voilà. Et ensuite, là j'aurai un stack, c'est ça? 40. C'est pas si mal. Et qu'est-ce qui me manquait pour en faire plus? Ah, il faut de la bouffe. Avec une quarantaine, je pourrais à la limite faire une petite cage déjà. Parce qu'en fait, la raison du pourquoi je suis en train de faire ça, c'est que lorsque le Wither Boss il pop, en fait, il explose. Et tous les blocs autour de lui, ils ont tendance à exploser également. Donc il faut des blocs résistants aux explosions. Déjà pour te protéger de l'explosion, parce que ça fait mal. Donc, douleur, tout ça, tout ça. Ok, donc là il me faut 2 stacks de plus de ça, d'iron, et 4. Quatre comme ça et 2 d'iron. Comme ça j'en aurais fait plus pour demain, je pourrais faire des Dark Steel Ball d'ailleurs. Ce serait intéressant aussi ça. Ok. J'ai un petit peu moins d'obsidienne, il m'en faut. Là, il va m'en falloir 20 en tout. Un stack. Il m'en faut un stack. Ouais, normalement, là, j'en ai autant de chaque. Ouais, 59 de chaque. Donc là, comme ça, il va crafter tout ça. Pourquoi tu frises comme ça? D'accord. Donc je vais faire un petit endroit pour le Wither Boss ici. Il faut qu'il fasse 3 de large. Voilà. Il me faut 3 de haut. Voilà. Mouarf, j'en ai pas assez. Je vais faire l'upgrade pour augmenter le. Les capacités de mes smelters. Pour cela, il me faut un peu de glowstone en bloc. Il faut des capacitors. Voilà, là, il me faut ceux de base. Ok, j'ai plus assez de gold et bidule chouette.
Voilà. Pouvoir en faire 51, c'est beaucoup mieux. Je commence à manquer de redstone grave. Faut que j'arrête de l'acheter. Faut que j'arrête de la drop cette fois-ci, parce que je vais plus en avoir. Depuis tant qu'on me le dit, pas la drop. Ensuite, j'utilise pour faire des doubles. Voilà, comme ça. J'ai plus assez d'énergétique. Ça se fait avec redstone, gold et glow. Redstone, gold et glowstone. Ok, ensuite je vais monter là-haut, vider un peu ma quarry parce que je vais lui demander de rapporter de. Non, je vais paramétrer une nouvelle quarry. Parce que sinon, je vais commencer à miner des conneries. Et ça va pas le faire. Je vais paramétrer une quarry au niveau du monde de minage. Et pour ça, j'aurais besoin. Ouais, je pourrais faire ça. Je vais utiliser un truc de transport d'items. Alors, les Ender Chests. Qu'est-ce qui me touche? Ah, t'es là, toi? Comme c'est considéré comme une arme, ça me donne pas le truc. Mais c'est chiant. Faut vraiment que j'ai une pioche sur moi pour quand je le croise, lui. Bref, on verra ça plus tard, c'est pas important, l'Ender pour le moment. Lumber plutôt. Donc il me faut ça. Il va falloir deux. Il me faut un de plus. Mais bon. L'Ender Chest, on va le paramétrer. Allez. Avec deux diamants. Il me faudra un blaze rod en plus. Je crois pas que je puisse crafter des blaze rods. Ah si, avec des molten cores, j'en ai peut-être assez. Cool. Voilà, je suis occupé là, tu me saoules. Ouais, d'accord. Barre-toi. Ouais, c'est parfait. Donc là, j'en ai deux, on est d'accord. Je peux même les empiler vu que c'est les mêmes. Ok. Donc, tu vas prendre un shuriken dans la tronche. Parfait. Là, je me fais agresser, quoi. C'est bon là, vous allez me lâcher un peu? T'as la plaie quoi. Je suis juste au-dessus de chez moi. Ok, creeper. Vous voyez, je suis juste au-dessus de chez moi. Deux stacks, c'est ok. Du coup, on va en bas de chez moi. On se croise. T'as des flèches dans le cul. Voyons cela. Ah ouais, en effet, j'ai quelques flèches un peu partout là. Bah, je lui fais agresser par trois squelettes dehors, donc ils en voulaient un petit peu à ma vie. Voilà, hop, 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 hop. C'est ok. Donc je vais te montrer comment on fait pop des Wither Skeleton Boss. Enfin des Wither Boss. Ici, là, là-dedans, t'as des têtes de Wither Skeleton. Donc tu peux en prendre un stack. Ça c'est long et dur à obtenir normalement. Bon, j'en ai quelques stacks, mais de base c'est assez chiant à obtenir. Ensuite.
Je peux la faire en obsidienne au pire, la cage pour l'instant. Si je peux pas la finir avec ça. Voilà. Je fais juste une upgrade vite fait et après on s'occupe de ça. Used. Non, récip. Paf. Voilà. Et salut Orion FR, bienvenue et merci pour ton follow. D'accord, et donc, fait un used. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un used. Là, celui-là. Deux, trois, quatre. Donc je vais upgrade ces deux-là. Voilà, pour qu'ils aillent plus vite. Je te filerai d'ailleurs les upgrades pour tout à l'heure si tu veux. Mais je te filerai les premières sûrement, les doubles. Pour ça là, je vois que tu fais du Minecraft. J'ai bien ce qu'il me semblait que j'avais entendu un Minecraft à un moment. Donc. Un, deux, un, deux, un, deux. Je suis parti me prendre une nourriture là-haut, oui. Ok. 22, 22. Ok, donc lui il va bosser, il va faire des trucs. Va faire le used. Paf. Pourquoi il y a des squelettes ici? Comment c'est possible qu'il y ait des squelettes ici? Enfin, des zombards. D'où il y a des zombards dans le coin là? Bon, pour l'instant, on va les faire en. Juste en mettre deux au-dessus pour le bloquer, le reste je le ferai en obsidienne pour l'emmerder. Donc on va faire pop des mobs dans un coin fermé. De toute façon, normalement, c'est résistant aux explosions au niveau du truc. Donc. Juste en mettre deux au-dessus de sa tête pour l'empêcher de popper. Et je remplacerai celle en obsidienne demain par des vrais. Donc là. Tac-tac, donc celles-là seront moins indestructibles. Et celle-ci, je vais prendre le risque de la faire en normal. C'est pas grave. Donc là je crée une case dans laquelle je vais faire pop le boss en fait. Et je vais le défoncer juste après. Je vais le défoncer avec une machine, un grinder qui sert justement ça à défoncer les mobs, y compris ce Wither. Casser le fond. En vrai je pense que lui il va jarter le fond, mais c'est pas grave. Et du coup, il fait pop quelque chose qui fait pop l'armure dragon, en gros. Peut le résumer comme ça. Ah, je vais isoler au maximum l'explosion, mais je pense que le fond va gicler. Vu que je vais en faire pop plusieurs d'un coup. Ouais, il explose. En fait, quand il naît, en fait, on va le faire naître en utilisant ce qu'on a ramassé tout à l'heure. Et quand on le fait naître, il explose. Il explose assez fort pour exploser des blocs, en fait. Donc là, je vais faire une chicane pour retenir l'explosion. Donc tous les blocs qui sont comme ça, demain, je devrais les remplacer par des blocs résistants à l'explosion et au boss de Wizard. Comme ça, tu vois, l'explosion qui va venir du fond là, elle pourra pas pénétrer et comme ça va en ligne droite, en fait, elle va taper contre ce mur là et elle pourra pas sortir. Alors que nous, on peut sortir parce qu'on peut faire un virage. C'est ça le but, en fait, de ce genre de boîte anti-explosion. D'accord? Et on va faire pop les boss au fond. Donc pour les faire pop, en fait, je ne fais pas pop tout de suite, mais je t'explique. Tu fais un T comme ça avec la sand.
Et dessus, tu poses trois têtes. Tu le fais pas tout de suite, sinon il va ravager la moitié de ma base. Hein. Je te le dis vraiment, il va vraiment ravager la moitié de ma base si tu fais ça. Donc avant, on va placer ici un spawner, en fait. Un grinder plutôt, qui va chercher à le détruire en fait. C'est-à-dire que lui, il est conçu vraiment pour détruire les Wither Skeletons. D'ailleurs, il est résistant aux explosions, c'est-à-dire que il résiste à l'explosion du Wither lui aussi. Parce que en fait, sinon, si on mettait une machine normale ici, en fait, quand le Wither naîtrait, il exploserait la machine. Et du coup, fromage, la machine a explosé, elle pourrait pas tuer le mob. Donc c'est un bloc qui était spécialement conçu pour résister à l'explosion du Wither. Et c'est un grinder de justement Ender de Dragonic Evolution, donc l'armure qui fait le truc qui fait l'armure là. Justement parce que vu que pour ce mode on utilise beaucoup de trucs comme ça, il faut pouvoir tuer le mob sans trop de difficulté. Donc on va faire un four. Faire ça. Qu'est-ce qui me manque? Ah, des épées en diamant. Voilà. Voilà. Et donc, on va placer ça là-bas. Ça n'agresse pas les humains, mais ça agresse tous les mobs qui se retrouvent en face, y compris les mobs gentils, genre les poules et les villageois, quoi. Voilà. Donc là, de ce côté-là, il y a une tête de mort indiquant qu'il n'est pas gentil. Là, pour l'instant, il fait rien. Mais ce que je vais faire, je vais l'alimenter en énergie en mettant un plug. Ou plutôt un point. Attends, où les points? Je crois que j'en ai plus. Celui-là. Qu'est-ce qui me manque pour en faire? Ben voilà, c'est bon. Tac, tac. Au début, je vais le limiter en énergie. Tac. Pour pas qu'il suce l'énergie de toute ma base. Parce que sinon. Ça prend pas mal d'énergie quand le Wither il naît. Je veux dire que tu transmets que max 100 RF par tick. Voilà, donc là il est alimenté normalement en énergie. Ah, sauf que je l'ai pas connecté. Paf, 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 paf. Voilà, c'est bon. Et là donc il est en train d'agresser. C'est-à-dire que là en ce moment il agresse toutes les cibles qui sont en face de lui. Pour l'instant il n'y a pas de cible, mais il les agresse. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va faire pop le Wither Bot. Donc je vais te laisser ce stunner là. Il faut que tu poses les trois têtes sur le dessus des sous-centres qui sont ici. Donc tu voles en continu et tu regardes les trucs et tu places les trois têtes. Et ça fait un boss à trois têtes, d'accord? Et justement, le boss qui va pop, il a trois têtes. Voilà. Par contre, recule un petit peu, parce que là, tu vois, il est né. Et sa barre de vie charge. Quand sa barre de vie sera chargée, il va exploser. Et quand il va exploser, ça va rigoler zéro au niveau dégâts. À notre niveau d'armure actuelle, ça peut vraiment faire mal. Sauf que dès qu'il est né, t'as vu là, dès qu'il est né, le grinder l'a vu direct. Ah tiens, l'obsidienne a résisté. Je suis épaté parce qu'en plus on n'est pas dans notre chunk, hein, pour de vrai. Et donc on a eu ça. Une Nether Star. Avec une Nether Star, on peut faire un morceau du stuff draconique. Un seul. D'accord? Il en faut 4 donc pour avoir tous les morceaux. Sauf que le torse pour l'instant, je vais te le faire, mais tu le porteras pas en continu parce que tu pourras pas avoir de jetpack avec. Tu peux pas voler pour l'instant avec le torse. C'est plus tard que tu pourras voler avec ce torse. Mais pas maintenant. Parce qu'il faut l'améliorer une première fois pour pouvoir voler avec ce torse. Là, tu auras le torse de base, en fait. Le torse amélioré, il en faudrait beaucoup plus. On ne pourra pas le faire. Là, par contre, clairement, je te dis, on ne pourra pas du tout le faire ce soir. Et là, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parce que je l'ai fait assez profond, le truc, pour une bonne raison. Je vais faire ça, en fait. Je vais mettre un bloc pour me poser. Parce qu'en fait, je vais poser les têtes. À droite et à gauche. Déjà. Tac, 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 tac. Merde, je l'ai placé au fond, c'est pas ce que je voulais. Voilà, je vais la placer sur la sous-centre. Voilà, et donc à chaque fois, il manque la tête du centre pour en faire popper un. Et pour optimiser le fait qu'à chaque fois il pop, il faut attendre qu'il soit en vie pour pouvoir le tuer, ce que je fais, j'en place 4 d'un coup. C'est-à-dire que je place 1, 2, 3, 4, je m'arrache. Et là, les 4 Wither Boss vont se faire dépop d'un coup. Par contre, niveau explosion, si tu restes dans la salle, vraiment, tu vas avoir mal. Déjà, je pense que si je me mets ici, je me fais pousser. Ah, t'as vu? Mais même si l'obsidienne diminue l'explosion du boss, le simple fait d'être proche, déjà, ça nous push, ça nous fait des dégâts, quoi. Donc si t'es à l'intérieur, t'exploses. Hein. Je pense que 4 d'affilée, même avec notre armure actuelle, on meurt. T'as 5 étoiles, donc avec les étoiles, on va venir ici.
Hop, dans la table de craft qu'il y a ici, qui nous servira. Bon, on peut utiliser celle de mon mode à la limite. Celle qui est ici, là, celle qui est en haut. C'est comme ça, on la verra tous les deux aussi. Normalement, quand je change les trucs, tu devrais la voir aussi. Donc, du coup, avec Draconic Evolution, il nous faut les morceaux qui sont là. Ok, et à chaque fois, il faut ça. Donc, il en faut 4 comme ça. 4, 8, 8 et 8, 16. J'en ai 29, donc j'en ai assez. Et par contre, il va nous falloir plus de draconium. D'accord, donc ça marche. Et il nous faut les 4 morceaux améliorés. Donc, il nous faut un futal. Une tête. Des pieds. Ah, j'ai pas cliqué la tête, non. Et un torse. Et moi, j'entends encore un slime. Oui, il est derrière nous. Va mourir, toi, là-bas. Voilà, c'est parfait. Shuriken dans la tronche. Et donc, il faut qu'on fasse les wyverns corps. Donc là, tu mets les Nether Stars que t'as au milieu de la table de craft. T'en mets 4. Quand t'auras fini de faire joujou avec les petits slimes. Tu mets 4 Nether Stars au milieu de la table de craft. Pour faire les 3 corps améliorés, le premier tiers, les Wyvern corps. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, on va clear la table pour amener tout là-dedans. Et pour chaque pièce, il nous faut également une batterie. Parce que tous ces stuff-là, ils contiennent l'énergie. J'ai pas assez de redstone sur moi. Tac. Voilà. Donc les batteries se font comme ça, avec de. Les Draconium Ingots, justement, qu'on trouve de Draconic, que t'as dû miner si t'as miné tout en bas. Les Draconic Core, ça se fait pareil, mais avec de l'or. Donc là, j'en ai 4. Donc les 4 trucs que t'as obtenus, tu les mets tout au-dessus. Voilà. Il nous faut du Draconium sur le côté. Il me semble que c'est tout ici. Voilà. Et à chaque fois, on met le stuff au milieu qu'on veut. Donc, par exemple, si tu veux des bottes améliorées, tu mets les bottes en diamant au milieu et tu prends les Wyvern Boots. Vas-y. Le futal, le Wyvern Leggings, le torse, le Wyvern Chestplate et la tête, le Wyvern Bidouchouette. Helmet, je crois. D'accord? Donc là, tu as tes 4 morceaux. Seulement, tu peux en équiper que 3 à la fois si tu veux garder ton jetpack. Mais sinon, tu peux équiper les 4 si tu veux être stylé. Ah, t'es classe quand même avec ça. C'est vrai, j'avoue. Sauf que là, ton stuff, il contient 0 d'énergie. Parce qu'après, tu auras une protection qui t'empêchera de prendre des dégâts. Et pour l'instant, tu as 0 point d'énergie. Si tu veux plus d'énergie, tu peux la puiser dans mon truc là-haut. Moi, j'ai plein d'énergie. Là. Par contre, c'est long à recharger. Hein. Ça, c'est la même pile que t'as à toi, sauf que elle est alimentée par plus d'énergie. Tu peux mettre tes 4 morceaux dedans. Et en gros, ils vont mettre un petit moment pour se charger. Plusieurs minutes, je dirais. Je pourrais améliorer en mettant un autre truc de chargement. Est-ce que je peux le faire dès maintenant? Énergie diffuseur. Je vais regarder. Si j'ai le stuff pour produire le truc qui en fait déjà plus, on va voir. Il me faut une table de craft, d'enchantement. Il faut ça. Ah, j'ai manqué de redstone, je ne l'ai pas fait là pour l'instant. Enfin, il manque quoi? C'est-à-dire, il manque quoi? J'ai pas compris. Pour le torse jetpack, il faut aller tuer le dragon qui est dans le. Dans l'end, 4 fois. Installer tout un setup qui prend plusieurs points de millions de points d'énergie et plusieurs stacks de diamants, d'or et de draconium. Tout faire fusionner ça ensemble en plusieurs minutes de craft continue d'un truc automatique. Avec des injecteurs et un setup. Ouais, c'est plus long, ouais. Et les faire fusionner. Voilà. Donc c'est long. Et ça va me prendre beaucoup de points d'énergie.
Là, avec mon setup énergétique actuel, si je fais ça, je vais avoir un gros souci, c'est que bah, j'aurai jamais assez d'énergie pour tout faire fonctionner avant au moins 24 heures. Enfin, en gros, il faudrait que je le fasse fonctionner 24 heures d'affilée à faire que ça pour faire tous les bouts. Donc non, je vais préférer demain améliorer mon setup d'énergie pour pouvoir le faire. Ça serait beaucoup trop chiant sinon. Voilà, donc là t'as ton stuff. T'as un meilleur stuff que moi, c'est-à-dire que le stuff que t'as là, qui est en train de charger, moi je l'ai pas. Hein. Je veux pas l'armure, je la ferai demain en live sûrement. En attendant, je vais faire moi une nouvelle quarry pour pouvoir avoir ce qui me manque, parce que là du coup j'ai plus assez de redstone pour pouvoir continuer. Donc, il faut absolument que je trouve de la redstone. Pour ça, je vais aller setup ma nouvelle quarry dans le nouveau monde. En fait, je vais prendre le monde de minage et je vais creuser dedans. En gros. C'est ok. Pourquoi j'ai pas de flex point? Je les ai remis dedans. Ah oui, non, là. Ça, je vais en avoir besoin. Tiens, ça. C'est des layers capacitors. C'est une amélioration pour tes fours, etc. Je vais te montrer comment il marche. Je crois que je suis parti avec les deux minecarts. Avec les minecarts, c'est pas facile de passer par contre. Attends, je vais régler ce problème. C'est bon. Dans tes trucs là, à droite, ah bah je vois que tu connais. Ah, t'as cliqué droit dessus, c'est ça? Tu l'as installé automatiquement l'upgrade quand tu cliques droit avec dans la main. Mais en gros, si tu ouvres l'interface, tu verras qu'en bas à gauche, il n'y a rien. Essaie d'ouvrir avec ta pioche par exemple, ça. Voilà. Et mets le petit truc dedans en bas à gauche. Ça augmente l'énergie, ça la triple. Et maintenant en plus, ça le fait aller plus vite. C'est-à-dire qu'il a plus d'énergie maximum. Il en consomme plus et il va plus vite. Ok. Et du coup, ta pile à 2 millions, elle est full chargée, hein, que t'as faite tout à l'heure. Il te reste encore 34 de redstone au-dessus. Ça va, t'es tranquille là. Voilà, moi je vais aller mettre en setup ma. Tu peux venir si tu veux, mais je vais mettre en setup ma nouvelle quarry. C'est pas en train de me pousser par là? Ça c'est bon, je vais le conserver ici, ça aussi. Moi je vais mettre de côté ça pour l'instant et ça je m'en fous complètement. Donc ça, il faut que je le supprime. Ok, ça aussi. Voilà, donc normalement ça c'est bon. Normalement, il y a encore la carte dedans, c'est ça? Oui, il y a la carte dedans, je vais la prendre. Pour info, je suis chez moi si tu me cherches et que tu veux faire avec moi, mais sinon. Bah d'ailleurs, tu peux y accéder aussi parce que je suis en train d'aller dans le monde, c'est du portail vert. Hop!
Bonjour. T'as vu les dégâts que t'as pris ont été absorbés par le fait que t'avais cette armure. Donc en fait là, si je te mets un coup, c'est ton bouclier énergétique qui prend. Même si je te spam. Ouais. Mais du coup, t'as, regarde, à gauche de ton interface, tu as une barre qui charge. C'est ton armure qui surchauffe. Si elle surchauffe trop, en fait, tu vas commencer à prendre des dégâts. En gros, tu vas perdre plus d'énergie, tu finiras par prendre des dégâts. Donc plus on te spam d'affilée, plus tu risqueras de prendre des dégâts. Ça prend quand même du temps, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais je viens quand même de t'en mettre plein la gueule et t'en arrives à foutre. Donc comment on va setup la quarry? Il faut déjà faire un trou jusqu'où tu veux miner et à partir duquel tu veux miner. Donc, moi je vais miner à partir de des premiers blocs que j'ai vu de tin, je crois que j'ai vu du tin par là. Du copper. Tiens, là il y a du copper, l'aluminium et du coal. Je pense que je vais miner à peu près par là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un bloc ici pour me poser. À peu près à cette hauteur-là. Je suis à peu près à 60. Et pour le configurer, donc, je vais prendre la carte qu'il y a là. T'arrêtes d'être vilain, toi, squelette. Je vais charger ce chunk pour qu'il reste chargé pour la nuit. Tac, tac, voilà. Donc, comment on utilise ce bloc? En fait, on lui donne des coordonnées pour miner. Tiens, je te donne la carte. Tu la prends dans ta main, la carte. Et tu shift-clic sur la machine qui est ici. Normalement, elle devrait se mettre à s'éclairer avec une transparence. Et t'indiquant qu'elle te demande ton premier corner, c'est ça? Ok, tu viens avec moi. Là, ici, là. Tu sélectionnes le bloc de charbon en shift-clic avec la carte dans la main pour sélectionner le premier coin de ce que tu vas miner. Donc tous les blocs de charbon, tu shift-clic, normalement il va apparaître comme tout à l'heure. Et il te demande de choisir le dernier coin, c'est ça? Si tu le fais deux fois d'affilée, peut-être que tu as choisi le dernier coin déjà. Si c'est le cas, il faut que tu remontes et que tu recliques sur la machine là-haut. En fait, il te dit sélectionne la machine, prends un premier coin, prends un deuxième coin. Si tu cliques deux fois au même endroit, tu as choisi deux fois le même coin. Donc une fois le charbon en faisant shift et après tu descends tout en bas. Voilà, et tu sélectionnes le bloc là qui est tout seul là, celui-là. Shift-click. Maman, il te dit qu'il a successful fait le truc. Et maintenant tu remontes. Là en gros tu as sélectionné une petite zone qui fait une certaine hauteur. C'est-à-dire que tu as sélectionné surtout le Y et l'endroit où tu vas centrer ta zone. D'accord? Mais en fait toi tu veux miner plus que ça. C'est une copie de shape card. Voilà. Donc du coup ta carte maintenant elle a un truc. Maintenant quand tu montes là-haut. Tu vas regarder le ciel pour ne sélectionner aucun bloc, parce que si tu râles par terre ça va pas marcher, tu regardes bien dans l'air et tu shift-click. Normalement ça va t'ouvrir une interface avec des numéros. C'est ça? Si tel est le cas, tu as un X, un Y et un Z. C'est trois colonnes qui s'affichent d'affilée, d'accord? Et en dessous, tu as offset, ça c'est le décalage. Il faut que le X, tu le changes en 255. Et le Z en 255. Donc la première et la troisième case de la première ligne. Première et troisième case. Il faut que tu les changes en 255. Ça, c'est pour augmenter comment dire, la surface sur laquelle tu vas miner. Parce que pour l'instant, miner une toute petite surface. Et nous, on va en miner une bien plus grosse. Donc en première case, tu dois avoir 255. En deuxième, on s'en fout. Et en troisième, 255. Et la ligne du bas, tu dois avoir 3 stats, pareil, on s'en fout.
Normalement, de toute façon, le Y doit tourner autour de 60, parce qu'a priori, on a quasiment 60 blocs de haut. Donc le Y doit pas être loin de 60. Ça marche? Quand t'as fini, tu fais échappe et tu me donnes la carte, voir si tu l'as bien configurée. Voilà, 255, 61, 255 et offset moins 2. Donc c'est bon, t'as configuré les bonnes. Donc on sait comme ça, hop, la carte tu la reprends. Cette fois-ci, tu ne vas pas shift-click, tu vas juste cliquer droit sur le builder's block pour rentrer la carte dans le builder. Voilà, et maintenant en fait, le builder il est prêt à miner aux coordonnées que tu as données. À savoir que maintenant il faut qu'on lui fournisse de l'énergie. Donc, clac, on va utiliser ça. Mettre mon network et là paf il a plein d'énergie donc là maintenant la machine elle est full en énergie. Ah par contre je vais la mettre sur le côté ça parce que sinon ça va me gêner. Parce qu'au-dessus on va mettre un coffre. Paf. Donc mon network pour... Ça c'est les trucs c'est comme la pile que t'as chez toi sauf que cette fois-ci ça transfère de mon... Et je vais transférer chez moi d'une certaine manière c'est-à-dire que je vais mettre ce coffre. Tac. Mettre un diamant dessus au niveau de la fermeture. Attends, si tu veux, je vais devoir le faire parce que sinon ça va le taguer pour toi. Et en fait, regarde, c'est magique, mais si j'en place un deuxième comme ça chez moi, donc celui-là je vais le mettre ici, mais après je le mettrai chez moi. En fait, quand j'ouvre celui-là, regarde, ça ouvre l'autre. C'est les inventaires communs. C'est-à-dire que peu importe ce que je mets là-dedans, je regarde, je vais mettre un petit peu de terre. Quand je mets un petit peu de terre ici, dans ce coffre-là, tu verras aussi qu'il y a un petit peu de terre. Les inventaires sont communs l'un à l'autre. Ok. J'ai pas vérifié dans la shapecard si on avait void des conneries. Ouais, c'est bon, on a void des conneries. Donc, ça c'est ok. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est de l'activer, parce que c'est une machine et elle demande pour être activée à avoir un levier. Et donc ça tombe bien, j'ai un levier ici. Donc, hop, active le levier. Et regarde dans le coffre qui est au-dessus. Voilà, là il est en train de rajouter des choses. Donc là il est en train de miner pour nous. Elle mine tout en bas là. Dans un carré qui fait donc 255, ça fait 127 dans chacune des directions. Elle commence à miner quelque part dans cette zone en fait. On ne sait pas trop où elle mine, mais en fait elle sait ce qu'elle fait, quoi. On s'en fout que nous on ne peut pas le savoir, mais juste elle fait ça dans un ordre précis. Et a priori, ça sera pas ici en fait. On va miner dans un chunk plus loin, sûrement. Je crois que quand tu la regardes, elle donne les coordonnées où elle mine. Et à chaque fois qu'elle prend un bloc, elle le remplace par de la terre. En ce moment, ses coordonnées, c'est. En ce moment, elle est. Ah, elle me donne juste le Y level, mais et qu'elle elle a, elle a, elle a fait un chunk sur 289. Donc tu vois cette zone-là. Appuie deux fois sur F9. Normalement, c'est F9. Si tu appuies deux fois sur F9, tu vas voir un cadre popper autour de nous. Tu vois le cadre? Ce cadre-là qui va comme ça, qui fait 16 blocs sur 16 blocs, ça s'appelle un chunk. Ben là, en fait, cette machine, elle va miner à une hauteur de 60 blocs jusqu'à la bedrock. Elle va miner 289 zones comme ça, avant de s'arrêter. Donc elle va miner longtemps. Et dès qu'elle va commencer à être pleine, en fait, va falloir se démerde avec l'Ender Chest pour le gérer, ce qu'elle est en train de nous faire, d'accord? Donc pour ça, on va aller à la maison, je vais récupérer ce coffre-là. Je vais le mettre chez moi et comme ça, j'aurai le contenu de ce qu'il y a là-dedans chez moi. Donc j'aurai pas besoin d'être ici pour voir ce que la quarry fait. Je saurai très bien en regardant ce qui contient ce coffre. Donc là, je vais redescendre vers mon ordinateur. Couper le jetpack, sinon je vais mettre une heure. Les chats, ils sont en train de courir dans tous les sens, mais le bordel qu'ils foutent à 3h48 du matin. C'est super, les chats. Continuez de faire les conneries. On vous aime. Donc, ce que je vais faire, ce coffre, je vais le mettre ici. Donc dans mon chez moi en bas. Donc au-dessus de l'autre.
Hop. Donc là, on vérifie quand on l'ouvre. On a bien le contenu de l'aquarie qu'on voyait tout à l'heure. Pas de problème, il y a toujours le contenu de l'aquarie. D'ailleurs, il est en train d'augmenter parce que l'aquarie, elle bosse. Et on veut faire des choses. On veut déjà récupérer. Ça, je vais le bouger parce que ça va me gêner. Voilà. Tac. Et je vais mettre des câbles. Hop. Ça, j'ai plein de câbles, je vais pouvoir augmenter. Parce que ce que j'ai bougé là, c'est mon antenne. C'est-à-dire que le petit truc que j'utilise, la petite télécommande, ça là, qui permet d'avoir tout mon ME à distance, il a une portée. Et cette portée, elle est définie par le câble qui est ici. Donc le câble, je vais l'augmenter déjà en distance. Hop. Voilà, je vais mettre l'antenne plus haut. Et je vais remettre ses ranges. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on veut donc apporter dans mon ordinateur des choses qui vont être dans le coffre de l'aquari. Donc, on va chercher à faire un importeur. Voilà. Casser ce câble-là et mettre l'importeur à la place. Paf. Donc là, il est en train d'importer tout. On va lui dire, tu vas importer une whitelist. Voilà. Donc en gros, là, il va importer tout le call qu'il trouve. Je vais l'accélérer de façon à ce qu'il importe plus vite. En prenant les upgrades que j'avais mis ici. Dernière fois, et en les remettant ici. Je vais prendre des upgrades qui sont ici également. Parce que là, l'aquari, elle rigole zéro. Donc, il va falloir que ça importe sévère. Donc, pour l'instant, je lui demande juste d'importer le coal qu'il trouve ici et la redstone. Et de le mettre dans le ME. Également le diamant d'ailleurs. Voilà. Et le lapis, parce que c'est les choses qui prennent vraiment le plus de place pour l'instant à ce niveau-là. En gros, le coffre qui est au-dessus, il est en train de se faire vider de certains éléments, c'est-à-dire le diamant, le lapis et ces conneries-là. Mais il enlève pas tout. Donc nous, on va vouloir trier un petit peu. J'ai des filtres en haut, je vais l'utiliser. Trier un petit peu ce qu'il y a dans le coffre pour enlever un petit peu ce dont on se fout. Par exemple, la limestone et ce genre de bloc à la con, personne n'en a envie. En tout cas, moi j'en ai pas envie, donc je vais pas le garder. Bon, je vais sûrement garder le basalte, parce que le basalte ça peut être un bon bloc de décoration, donc je vais en garder pour l'instant. Donc je vais importer le basalte. Qu'est-ce qu'il me fallait ici? J'ai déjà oublié. Qu'est-ce que je suis venu monter, je suis monté faire? J'ai oublié. Alors j'étais en bas. Ah, j'avais besoin des filtres. Voilà. C'est parfait. Ah, il est déchargé mon jetpack, très bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ça. Merde, c'était pas ce que je voulais faire. Ça, c'est des tuyaux qui permettent d'éjecter de transporter des items automatiquement. Et je vais lui demander d'éjecter dans des poubelles. Pour la simple et bonne raison que les items que je vais vouloir jeter. Donc, tac. Donc lui, il lui faut un filtre, insérer.
Voilà. Et insérer. Voilà, je vais garder l'abyssal soul et le basalt. Et ça. Extract always. Et je vais y mettre des upgrades. Donc là maintenant, dans la poubelle, tu remarqueras que dans le coffre, tu remarqueras qu'il y a plein de trucs qui sont en train de jarter en ce moment. C'est mon tuyau qui est en train d'éjecter ce que je lui dis d'éjecter. Donc il éjecte rubis, saphir, péridote, électrotine, red garnet, limestone et marble. Ah, t'es full stuff là. Pourquoi de la limestone est encore là d'ailleurs? Ça, je comprends pas. Ah, parce qu'il est pas en insert. Tu t'es fait mal. Ok, il faudrait que j'en fasse plus. Des speed upgrades. Pour les conduits. Hop. Voilà, donc là il devrait aller beaucoup plus vite. Voilà, là il trie au fur et à mesure que tout ce qui arrive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça arrive de l'aquarie, il le trie et il le met à la poubelle. Merde, j'ai pas mis de filtre ici, donc il est en train de tout éjecter. Pourtant j'avais un deuxième filtre, qu'est-ce que j'en ai foutu? D'accord, je sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai perdu un de mes filtres. Ah, mais je sais pourquoi. Il était en extract et moi je veux qu'il soit en insert. Voilà. Voilà, il doit trier ce qu'il faut maintenant. Voilà. Et du coup, il n'y a plus que le minerai qui reste. Tout ce qui ne correspond pas à ce que le filter match est directement éjecté et mis à la poubelle. Mon ME est en train de se remplir de choses pour l'instant. Voilà, comme ça je vais pouvoir avoir de la redstone. On peut également créer plus de tracks si tu veux. Parce que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait de la créosote qui s'était créée. Donc tu peux créer encore 16 tracks alimentés. Tu vas en remettre. Là il y a plein de créosote également. Pareil, je commence à fatiguer aussi, je te rassure. Je t'en ai préparé ici pour quand t'en voudras. Et voilà, moi je voulais juste que ma quarry soit setup et du coup bah demain quand je vais arriver il y aura plein de minerais. Et j'aurai plus qu'à traiter ces minerais là. C'est cool. Voilà. Et sur ce, il y a un autre que tu voulais faire? Je pense qu'il est temps d'y aller. T'as vu, je suis belle. Évidemment, t'es toujours magnifique, petite river comme ça. Toujours. En plus, t'as l'épée qui est de la couleur de ton stuff. Je sais pas si t'as remarqué. Et demain, je commencerai à faire un setup énergétique pour pouvoir. Comment ça s'appelle? Un setup énergétique pour pouvoir commencer à faire les upgrades justement de Draconic Evolution et de quoi fabriquer des choses pour Draconic Evolution. Histoire d'avoir une méga pile, une pile beaucoup plus grosse. Et voilà. Pouvoir commencer à avoir l'armure qui vole cette fois-ci. C'est tout bon pour toi? Je vais mettre un petit peu de. Ouais, peut-être. Un petit peu de truc par contre. Ouais, c'est bon. Ah, ici il y a un truc intéressant qui va voir. Quand tu vas faire des enchantements, si tu viens ici en fait, tu peux stocker ton XP. C'est-à-dire que si tu appuies sur la dernière flèche qui est verte, tu prends
Tu donnes tout ton XP à la machine. Ouais, genre, tu as donné quelques levels d'XP. Et si tu appuies sur la flèche une rouge ou deux rouges, tu peux récupérer des levels d'XP pour faire les enchantes. À savoir qu'il faut pas appuyer sur la 3 rouge parce que tu vas récupérer toute l'XP qui est là-dedans. Et si tu meurs, j'aurai plus d'XP. Mais si tu veux, genre, 10 ou 20 levels pour faire des enchantes, tu peux tout à fait. Je viens de réfléchir à un truc d'ailleurs, il faudrait que je fasse une table d'enchantes, ça pourrait être pratique, non? Si tu parles de ton épée, elle n'est pas enchantable, tu peux l'améliorer avec du diamant et tout ça, mais tu peux pas l'enchanter celle-ci. C'est l'avantage et l'inconvénient du stuff de Tinkers, c'est que tu peux améliorer avec des objets les items, mais tu peux pas les enchanter. Il faut choisir en fait, soit tu les enchantes, soit tu les améliores. Chercher l'enchanted wood en fait. Là. Magic wood. Faut un bookshelf et du gold. 2,5 donc à 30 divisé par 2,5. A priori, il faut 12 de ces trucs. Ok, il faut 4 d'XP. Je vais essayer de faire ça. Je vais mettre une table d'enchantement basique pour l'instant, mais pour l'évoluer, il faudra attendre un petit peu. Table d'enchantement. Voilà. On peut y mettre du stuff, il faut du lapis. Ah oui, il tombe le lapis, c'est vrai. Quand tu m'utilises pas hein, ces tables. Ok. Voilà, si tu veux faire des petits enchantes, même ton stuff, je crois que tu peux l'enchanter, mais il faudrait que tu l'enchantes avec un level 30. Enfin, par exemple, prends tes jambes et tu appuies trois fois sur les doubles flèches rouges. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire des bookshelves, mais pour 30 secondes. J'ai vu, c'est 2,5, c'est ça? Donc 30 divisé. A priori. Donc 12, on va essayer. 12 avec du gold. Si je récupère 10 levels par exemple, est-ce que je peux le faire deux fois? Ça marche peut-être pas dans une table évoluée. Peut-être qu'il faut utiliser une table de craft normale. J'essaie de faire quelque chose pour avoir du magical wood, mais je me souviens plus comment on fait, mais c'est ça. Tac, tac, ok. Donc là, ça marche. Donc il faut que je prenne 10 levels de plus. Sinon déjà avec 4 pour voir comment ça augmente mon level de plus. On peut faire les enchantes level combien maintenant? Il me faudrait une pièce à enchanter déjà. On va mettre les jambes par exemple. 20. Donc a priori il ne faut pas beaucoup plus que ça. Je vais en reprendre 8 ou 10 levels. Je vais en remettre 2.
C'est pour améliorer le level d'enchant de la table en fait que je fais ça. Pour enchanter des objets plus violents. Voilà, je peux enchanter level 30. Donc c'est bon, t'as 30 levels là. Tu prends ce lapis. Tu prends. Ah putain, il est tombé dans le truc en bois encore là. Prends une poignée de lapis. Enlève ton futal. Mets ton futal dans le truc. Et mets les lapis à côté. Et tu dois avoir l'enchantement level 30 qui doit apparaître. Clique dessus et tu vas enchanter une partie de ton stuff. Et en fait, j'enchante la yacht, moi, tiens. Ah, tu peux pas l'enchanter le stuff? Quand tu mets ton stuff et beaucoup de lapis, faut pas mettre juste un de lapis. Hein. Non, tu peux pas l'enchanter. D'accord, bah, essaye avec ton ayote sinon. Obsidian ayote. Voir si ça fonctionne. La pioche qui fait épée et tout ça là, qui te sert à miner, que je t'ai fait il y a longtemps. Ça ressemble à ça là. Normalement, t'as ton marteau qui mine 3 sur 3. Il a perdu. Je vais voir si moi je peux l'enchanter. Comment t'as pu la perdre? Parce que normalement, elle est difficile à détruire. Hein. Faut vraiment insister. Alors, à moins que tu sois morte, peut-être. C'est ça. Donc, ils me disent que j'ai besoin de 30 levels. Tac. Et. Ouais, ça marche. Tout à l'heure je l'avais, ensuite je l'ai besoin, bah, je l'ai pu retrouver. D'accord, donc je vais l'enchanter et te filer la mienne au pire. Est-ce que tu vois l'enchant que j'ai fait ou pas là toi, quand je fais ça? Ou y'a que moi qui le vois? Ok. Ah bah c'est une Silk Touch. Elle est pas mal celle-là, je pensais pas que ça allait faire ça. Bon je vais la mettre dans ce conteneur-là parce que sinon de toute façon elle va être aspirée encore une fois si je la jette par terre. Voilà. Donc maintenant t'en as une, elle est Silk Touch, c'est-à-dire que quand tu mines quelque chose, tu le récupères tel quel. Si tu mines du diamant avec, en fait, tu vas récupérer le diamond ore et pas le truc. D'ailleurs, si tu mines de la stone par terre, essaye. Tu vas pas récupérer de la cobblestone, tu vas récupérer directement de la stone. Qui est encore une fois est partie dans le truc automatique là. Mais là en fait t'as de la stone maintenant. Et je peux la récupérer et la reposer en fait. Ah, si tu mines de la cobble, t'auras quand même de la cobble. Parce qu'à la base, c'est de la cobble. Donc, c'est ici qu'il y a de la stone éloignée. Là. Même plus que ça, c'est-à-dire que le saphir or, si tu le mines, t'auras pas du saphir. T'auras un saphir or. Voilà. Pareil avec le col qu'il y a ici. Et ça permet de ramener certains trucs directement en bloc plutôt que de ramener les morceaux pour ce qui se casse. Voilà. Donc t'as ça en plus et fais les chantiers. C'est pas un enchant super, mais des fois c'est utile ça. C'est pas tout le temps super, mais c'est bien. Voilà. Donc si tu veux faire les enchants, tu prends de l'XP ici. En essayant de ne pas tout prendre, mais il y en a quand même beaucoup beaucoup d'XP. Et tu peux faire les enchants ici. Juste ton stuff là, tu peux pas. Je sais pas si on peut enchanter le jetpack. J'ai pas essayé. Peut être rigolo. Possible après tout, c'est considéré comme une pièce d'armure. Non, le jetpack ça marche pas. Par contre, je peux enchanter le stuff que j'avais tout à l'heure. Le futal, tout ça. Paf. Futal en diamant. Protection 3. Oui, c'est ça, c'est tout combiné en obsidienne. Et ça existe avec tout, tu peux tout le faire là également en diamant et tout ça. C'est l'obsidienne, c'est juste que je te l'ai donné en premier parce qu'elle est très résistante. Elle met vraiment du temps à se casser. Je me suis dit que comme ça au moins t'auras une pioche pour longtemps. Mais ça marche pour tout, c'est-à-dire que tu peux faire tes premières. Les outils que tu peux faire en stone au tout début du jeu, tu peux en faire une ayotte aussi. C'est un outil polyvalent quoi. Voilà, mais sur ce, je vais déjà couper mon live et
Ah, puis c'est. Alors, tout à l'heure, il y avait 4 personnes. J'ai la tête, on est 7. Au moment où je vais couper mon live. Ouh. Je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver, mais 4 h du matin. Bientôt, il va falloir que j'aille me coucher parce que demain, je bosse. Donc, merci à ceux qui sont encore là. Et je vous dis bah, à demain après-midi pour ceux qui veulent. A priori, demain après-midi. Bah oui, je bosse. C'est pas parce que je vais me lever tard et que je vais aller au boulot tard que je bosse pas. Non, en me couchant à 4 h, moi je vais me lever à 13 h hein, déjà. Donc non, je bosse pas à 8 h du matin, ça c'est sûr. Et bah demain après-midi pour les habitués. Voilà. Bonne nuit à vous. Ciao.